veille, dans l'après-midi, vous étiez rendu à l'association des sans-abri pour rencontrer un des représentants des Sœurs de Marie, à savoir Jean-Jésus. Je vais vous montrer d'ailleurs son portrait, habillé tout en blanc, quelqu'un de très fin, costard-cravate. Et il vous avait justement remonté qu'il avait rencontré, parce que vous êtes à la recherche de Madame Greenberg, et de savoir où est-ce qu'elle aurait pu passer. Et il l'a rencontré il y a un an de cela, elle avait fait un don caritatif voilà, pour la fondation des Sœurs de Marie, et en présence de Monsieur le maire, d'ailleurs, de la Nouvelle-Orléans. Ils sont les Sœurs de Marie, il a clairement insisté pour vous dire qu'ils étaient disposés à vous aider, parce qu'ils avaient également les zombies, hein, qui étaient le gang rival des Sœurs de Marie. Et donc, il s'est échappé très brièvement dans le bureau d'à côté, et puis il est revenu justement pour vous annoncer que leur grande prêtresse, Manon, souhaitait vous rencontrer et qu'elle savait où se trouvait, où on pourrait trouver Madame Greenberg. Du coup, vous êtes parti au crépuscule, au bout d'une très longue route. Après, vous avez parcouru les bayous. Vous êtes arrivé sur une île un peu perdue, au milieu de nulle part. Et vous avez assisté à une cérémonie vaudou, clandestine, qui a commencé la nuit tombée. Et au centre, il y avait un feu, enfin vraiment une foule vêtue de blanc, des chants, des battements de tambour. La tension est montée jusqu'à son paroxysme. Et vous avez eu la sensation, à ce moment-là, plutôt croissante, d'entrer dans un état second. Un peu comme si vous ne vous apparteniez plus vraiment. Vous avez eu un vertige et vous avez entendu des chants, des roulements de tambour, toujours au même rythme que les battements de votre cœur. Et au plus fort de la cérémonie, Manon, la reine des Sœurs de Marie, a surgi des flammes. Elle était vêtue d'une tunique blanche, elle s'est dirigée vers vous et vous étiez subjugué par son regard magnétique. Vous saviez qui elle était, même si elle ne prononçait aucun mot. Et après, vos battements de cœur commençaient à ralentir progressivement jusqu'à devenir imperceptibles. Vos âmes ont commencé à s'élever à la verticale de vos corps et vous êtes devenu spectateur. Vous vous êtes vu, vous avez vu vos enveloppes terrestres. Puis après, les lois du temps, de l'espace ont commencé à se dissoudre. Et vous avez senti la présence de Madame Greenberg. Et soudain le silence. Et une chaleur moite de tropique. Mais il n'y avait plus cette cérémonie, ces tambours. Il n'y avait plus du tout ce bayou autour. Vous étiez en fait dans une vaste plantation, mais à l'abandon, fantomatique. Et près de vous, il y avait deux voitures encastrées. La voiture que vous aviez utilisée pendant votre filature à Washington. Et le Range Rover de Madame Greenberg. Et au loin, vous vous êtes rapproché de cette résidence, de ce manoir colonial, et vous avez pu apercevoir une petite fille, elle doit avoir 3-4 ans, hein, et vous l'avez reconnue, hein, la fille du sénateur Greenberg. Elle ne disait rien, mais quand vous lui avez demandé où se trouvait sa mère, elle vous a signalé, indiquant du doigt, la crypte funéraire, un peu plus loin, derrière ce manoir, sur une colline. Et plus tard, vous avez reposé d'ailleurs la même question concernant son frère, et là, elle tremblait de peur, et elle vous a désigné l'étage du manoir. À la crypte, peu de temps avant, donc, vous étiez rendu, et c'est là, en rentrant, que, sauf Daniel, qui a senti cette fraîcheur en lui, qui l'a paralysé, vous avez trouvé Madame Greenberg auprès d'une tombe assez récente, celle du sénateur Adam Greenberg. À l'intérieur, en effet, il régnait un froid glacial que vous aviez tous ressenti. Elle a réagi en vous dévisageant, et elle vous a livré quelques éléments avant de retourner dans sa catatonie. Ces éléments, je peux vous le rappeler, mais ce qu'elle disait d'un monstre à l'autre, je pensais les protéger, je pensais lui offrir le refuge qu'il méritait, que nous méritions, loin de cette folie, de cette corruption. On n'échappe pas à son sang. Trahissez-le et il vous dévorera. Il écrasera votre âme d'un simple regard, un géant, si puissant que d'un revers de la main, il balaye des étoiles. Mon fils, il m'a pris mon fils,
Bientôt, il arrachera son âme à sa frêle coquille et la jettera dans les abîmes, si fragile et sans défense. Il l'usurpera, puis il règnera sur un royaume de douleur. Le monstre, et vous ne pourrez rien faire. Il est le feu maléfique qui dévore tout ce qui vit, qui souille tout ce qui est bon. Seul le souffle froid, venu de l'aube des temps, peut l'arrêter. Sauvez mon enfant, mourrez pour lui, mon fils. Vous êtes parti au manoir, et arrivant à l'étage, Daniel était toujours en retrait avec Remington. Remington, toi, tu étais en train de fouiller le véhicule de Madame Greenberg. Et à l'étage de ce manoir, Silo et puis Nola, vous avez ressenti un poids au cœur, un malaise puissant qui a grandi au fur et à mesure que vous avez gravi ces escaliers. Et vous vous êtes retrouvé face justement à un vieillard et un jeune garçon. Le jeune garçon de 7-8 ans, et vous l'avez reconnu, c'est le fils du sénateur Greenberg. Quant au vieillard, c'est, vous l'aviez aperçu en photo, hein, c'est celui de Donald Gantley. Le fils de Greenberg ne bougeait pas, il vous a fixé d'un regard terrifié et vous n'arriviez pas à avancer, comme s'il y avait un champ de force invisible. Le vieillard vous s'est présenté en vous disant qu'il n'était plus celui qui naquit Donald Gantley. Des décennies durant, Gantley se consacra à mon ministère. En récompense, j'ai consenti à m'incarner dans cette pathétique enveloppe corporelle afin de mener à bien notre dessein commun. Hélas, tout corps vivant doit se plier tôt ou tard à l'implacable loi de l'entropie. Il me faut un nouveau réceptacle, mais pas n'importe lequel. C'est pourquoi j'ai approuvé le mariage entre l'arrière-petite-fille de mon hôte et l'héritière Greenberg. En effet, son arrière-petite-fille, c'est Madame Greenberg. Lorsque les étoiles seront alignées par les ténèbres, j'écraserai l'âme de cet enfant et prendrai place dans le corps du futur héritier de l'Empire Greenberg. Écarter le jeune sénateur de mon chemin était facile. Orienter l'enquête de la commission électorale vers les activités légales du sénateur Greenberg, tout en lui faisant croire que j'étais son allié, fut un jeu d'enfant. Lorsque j'ai appris le suicide du sénateur, il ne me restait plus qu'à suggérer à mon arrière-petite-fille de venir se réfugier auprès de moi avec la dépouille de son mari et ma prochaine enveloppe. Et là, il est rentré dans un autre sujet beaucoup plus surréaliste, en vous disant, se présentant qu'il n'était l'ordre cosmique, que nous étions l'ordre cosmique. Nous sommes un, et nous sommes légion, nous sommes les ténèbres entre chaque étoile, nous suivons le cours de votre évolution depuis l'aube de l'humanité, nous sommes, par et pour vous, tout autour de vous, vous êtes notre alpha et notre oméga, votre colère, votre haine, votre volonté de destruction et d'autodestruction constituent notre nectar. Nous sommes la corruption en votre cœur, la solution à vos rêves, vains et illusoires. Depuis les éons, vous nous savez parmi nous. Vous nous haïssez, vous nous vénérez, pourtant vous refusez de nous contempler. Nous seuls pouvons vous mener à l'accomplissement. Regardez-nous tels que nous sommes vraiment, regardez-nous, contemplez-moi. Et sur ce, sa bouche a commencé à s'ouvrir démesurément pour vomir une sorte de la tête de la vraie forme de l'entité qui le possédait. Et c'est une créature vermiforme et gluante d'un mètre de long. Et là, le visage du petit Greenberg, malheureusement, commençait à pâlir, ses jambes tremblant de peur. Et vous avez vu l'image de Gantley, du petit Greenberg, se brouiller. La pièce est assombrie, et ensuite, vous avez disparu avec eux. Sentiment de vertige. Et c'est là que, vous, en reprenant connaissance, conscience, vous êtes réveillé dans un salon, sur des canapés, avec une lourde gueule de bois qui vous a attendu, au fur et à mesure que vous avez repris conscience. Alors déjà, vous allez tous pouvoir perdre déjà un point de stabilité et faire chacun un jet de garder le contrôle. En vous réveillant, vous trouvez en effet Marcus Questor à votre chevet, et vous vous redressez chacun dans ce lieu inconnu, et il vous commence à vous parler en disant « Je suis venu aussitôt lorsque les sœurs de Marie m'ont informé que je vous trouverai ici. » À ses côtés, il vous présente Marissa
Fletcher. Elle travaille justement pour le centre for le CDC. C'est le Center for Disease Control. Un centre qui gère entre autres le contrôle des maladies, une surveillance sanitaire au sein des États-Unis. Et puis il y a Manon qui est à ses côtés et qui vous souhaite la bienvenue dans sa jolie villa. Ici vous avez Manon, Marcus, Marissa Fletcher. Et en arrière-plan, il y a Jean-Jésus qui sort de la pièce. Alors, voyons un petit peu. On le récupère, enfin, récupérer un point de stabilité ou on le perdait ? Ah, vous le perdez. D'accord. Vous l'avez perdu. Bah, écoute... C'est où encore ? J'arrive plus à l'enlever. Ah, c'est le moins. Faut cliquer sur le moins. Mais oui, mais question bête, le moins où ? Alors, le moins qui est à droite, justement, où tu as une liste déroulante. Ça peut être par exemple posé, instable. Et sous blessure. T'as sur ta carte. Ah voilà, oui, je regardais au-dessus. Ouais, excuse-moi. Oui. Ouais, je sais pas pourquoi j'étais en dessous des modificateurs des situations. Okay. Alors vous autres, Remington, Daniel et puis Silo, vous avez quand même une sensation de vous avez mal à la tête, quoi. Vous avez vraiment cette migraine. Manon vous met à disposition un comprimé justement contre ce type de douleur. Quant à toi, Nola, tu te sens très affaibli. En tout cas pour les prochaines 24 heures, tu vas pouvoir mettre en haut à gauche un modificateur de moins 1. En haut à gauche. Tu as normalement modificateur, non pas situationnel, mais... l'autre à gauche, je vais te dire lequel c'est. Modificateur continu. Je vois pas les modificateurs. Je vois la stabilité. Tout en haut à gauche. C'est tout en haut à gauche. C'est au-dessus de... Ouais. Ah, et c'est dans modificateur situationnel, je mets moins 1, c'est ça ? Non, continu, tu mets moins 1. Ah non, continu, pardon. Voilà. Et par contre, je reste où j'en suis en stabilité, c'est ça ? Bah, tu mets moins en stabilité, comme tout le monde. Là, c'est okay, la donc, punition collective. Je commence à être vraiment mal, là. Je suis en détresse. Je pense que je reste prostré pendant un long moment sur le canapé où on est arrivé, parce que autant pendant qu'on était en train de visiter cet étrange lieu, j'arrivais à absorber sans rationaliser. Je comprenais ce qui se passait, mais du coup le contre-choc est énorme, parce que maintenant, revenu dans la réalité, vu que justement je n'ai rien rationalisé, ça va pas très bien. Tu vois Marisa justement qui s'approche de toi, qui te si vous me permettez, je vais vous donner un petit remontant. Elle prend une seringue avec elle. Ah non, 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 non. Tu refuses. Nola, oui, non, 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 non. Avec toutes les histoires de sang, hémobanque et tout ça, elle veut qu'on lui injecte rien du tout. Marcus intervient, laissez-lui le temps justement de reprendre ses esprits, ça va peut-être se remettre d'elle-même, comme vous voulez, Marcus. Vous commencez à vous remettre de ce rêve, enfin vous ne savez pas trop si c'était un rêve finalement. Et puis Marcus s'adresse à chacun d'entre vous. Est-ce que vous avez eu des visions ? Vous aviez l'air d'avoir un sommeil assez agité suite à cette cérémonie. Est-ce que vous pouvez m'en parler ? J'essaie quand même de voir si il est sincère, Marcus. Je vais faire lire une personne. Vas-y. Alors non, Remington, tu n'as pas assisté au discours. Hein. Tu étais resté à l'extérieur et à un moment donné, tu t'étais même rapproché de Daniel.
Et quand tu essayais de t'évader, enfin de sortir de cette zone, tu voyais un paysage, un décor infini, et tu avais l'impression que ça n'allait déboucher nulle part. Et à un moment donné, tu as entendu des meutes de loups qui t'a fait te retourner sur tes pas. Ça marche, parfait. Mais non, tu n'as pas assisté. Tu as encore cette migraine, Daniel. Tu n'arrives pas, en fait, à rester concentré, en tout cas à analyser sa gestuelle. Je préfère attendre un peu avant de vous parler. J'ai encore mal au crâne. Qu'est-ce que c'était ? Et qu'est-ce que c'est que vous nous avez donné ? Vous parliez de la cérémonie ? La cérémonie et le comprimé, celui que j'ai pas encore pris. C'est un comprimé contre les migraines, justement. Ah, moi non plus, je le prends pas. Hein. Du coup, vous continuez à avoir justement ces douleurs qui vous gênent. Ouais. On peut peut-être vous laisser un petit moment pour reprendre vos esprits. Oui, oui, oui. Vous pouvez nous laisser seuls ? Oui, bien sûr. Nous vous attendons, de toute façon, vous avez la matinée de libre. Nous attendons. Vous regardez justement votre montre, une horloge hein, dans cette pièce, une vieille horloge du 18e siècle. Il est 9h30 du matin. Nous vous attendrons en bas justement pour le petit déjeuner. Vous pourrez récupérer un petit peu de vitamines, récupérer des forces. Vous avez eu un sommeil assez éprouvant. C'est Manon qui parle, hein, qui vous dit ça. Faites comme chez vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, mes serviteurs pourront exaucer vos souhaits. Vous voyez, c'est des gens de couleur, hein, les serviteurs. Une sorte de majordome. Assez d'un certain âge. Et sinon, il y a aussi une servante qui est là pour éventuellement vous proposer des couvertures. Vous avez un peu froid quand même, hein, suite à cette expérience peut-être onirique. Difficile à dire. On vous laisse tous les quatre. En tout cas, Manon, avant de partir, vous dit voilà. Notre majordome sera là pour exaucer tous vos désirs. Il est juste à la sortie dans le couloir. Sinon, vous avez une petite clochette. N'hésitez pas. Bien, bien, bien. Ce sera parfait. Nola. Et vous êtes tous les quatre. Nola, tu vas bien ? Nola, regarde-moi. Tu vois, Nola, elle est... sur le canapé, les pieds ramenés sous elle, les bras croisés autour d'elle, et puis elle se balance un petit peu, tu vois, d'avant vers l'arrière pour se bercer, mais sans s'en rendre compte. Et faut que tu lui parles un moment jusqu'à ce qu'elle te regarde. Elle te regarde droit dans les yeux et tu sais, quand tu dis regarde-moi, mais peut-être que tu regrettes de lui avoir demandé du coup. Je lui remets la couverture, je lui ajuste sa couverture sur elle pour l'envelopper. Je dois voir qu'on a tous plus ou moins froid, de toute façon. Moi, j'ai toujours froid. J'ai toujours cette sensation glaciale, peut-être plus que les autres d'ailleurs, de froid qui m'envahit et qui... Nola, écoute-moi. Ce qu'on a vu là-bas, c'était terrible. Je vais te laisser. Tu vas reprendre tes esprits d'ici peu. Bien. Je te regarde comme si tu étais quelque chose que je ne comprends pas. Ouais, mais c'est pour ça que je te laisse, parce que je sens qu'il y a un regard assassin. Remington, Taylor, ouais. Daniel. Ouais. Oh, on va laisser Nola quelques instants. Je crois que ça l'a profondément perturbé, ce qu'on a vécu là-bas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Marcus, de Manon,
C'était un rêve, hein. Il y a des éléments scientifiques qui traitent d'hallucinations collectives. Hein. Oui, mais... Ça paraissait bien réel, quand même. Ça me faisait penser un peu au rêve qu'on avait fait avec... avec Nola. On était tous les deux dans le même rêve. Mais là, c'était étrange, il y avait quelque chose. Est-ce que, Daniel, tu as ressenti la même chose quand tu as croisé le regard du petit ? J'ai ressenti une vague de froid, un peu comme maintenant. Et c'est ce même froid que j'ai ressenti... La première fois que tu l'as regardé ? Oui, c'était ça, mais... Il y a quelque chose chez ce petit, mais je crois qu'il est... Ce rêve est exact. Si ce que nous avons vu est réel, eh bien je crois que le petit est en danger. J'aurais pas dit ça il y a quelques semaines, mais... Je sais pas... Pourquoi ce serait pas réel ? Regarde, c'est pas la première chose que tu vois en rêve et... On retrouve dans la réalité, hein. Ça m'est arrivé aussi, j'aurais jamais cru. Oui. Alors peut-être pas tout, mais en tout cas une part. Alors, on leur dit ce qu'on a vu ou... Ou on dit qu'il ne s'est rien passé. Je chuchote hein, quand je dis ça. Non, j'essaie de parler. J'ai eu de la chance, j'ai pas vu grand-chose. Moi non plus. Oui, Daniel, t'as entendu des cris, des hurlements à l'étage. J'ai vu Nola sortir. Seulement. Lui, de ça et l'eau. J'ai pas pu rentrer. Desserre un peu les dents et je dis, mais s'ils veulent savoir, ils ont qu'à aller voir. N'oublie pas, Nola. C'est nous qu'ils ont fait venir ici. Quelque chose avec nous. C'est par hasard si nous sommes là. La question, c'est est-ce qu'on peut faire confiance à cette Marissa ? C'est ça, c'est nous les bonnes poires. Est-ce qu'on a déjà eu des signaux de Manon, Marissa et Quester comme étant des vendus ou des gens dont il fallait se méfier ? Tu dis ça hors RP HRP ou... Non, je dis ça en RP, doucement, aux gens qui sont avec nous. Pour ma part... Moi, je crois pas. Hein. Je sais pas. Pas de Quester. Et je pars en boucle et je répète, vous entendrez mon petit murmure qui fait comme une musique, qui répète, je sais pas. Là ? Là, qu'est-ce que tu sais pas ? Je sais pas. Je sais pas. Bien. Tu sais pas. Je sais pas. Et je pense que on va se reposer un peu. On a la matinée, ils ont dit. Je regarde ma montre. Oh, vous êtes attendu pour un petit déjeuner, hein. On peut peut-être descendre, manger. J'ai un peu faim quand même. Ouais, ça fera pas de mal. Maintenant. Ah, puis ce mal de crâne. Nola, elle va clairement rester sur son canapé. Vous laissez Nola, du coup. Partez tous les trois, vous descendez. Il y a en effet un des membres du personnel qui est là, de couleur, bien évidemment, pour vous accompagner... jusqu'à une petite salle, vous voyez, tout est en bois, une magnifique propriété, vous voyez que elle a probablement obtenu, ça a l'air d'être une riche héritière. Quand vous regardez le domaine autour, par la fenêtre, vous voyez ce magnifique paysage au bord du lac, et puis également des hommes de sécurité, des hommes habillés en costard noir, paraissent être armés, hein. Remington, tu vois qu'il y en a un qui a une sorte
de petites mitraillettes. Et sinon, l'endroit est assez sûr. Vous voyez sinon dans des armoires, dans des vitrines, des vieilles porcelaines d'époque, un vieux portrait justement des parents probablement de Manon ou peut-être ses grands-parents. En tout cas, voilà, on voit que elle est vraiment issue d'une très très grande famille. Descendez ces escaliers qui grincent et on vous amène dans une petite salle annexe du salon où une grande table, vous voyez une grande table en bois justement avec une nappe dessus, toute blanche, très fine dentelle. Et vous avez justement votre Manon qui est en bout de table, qui se lève pour vous accueillir, qui vous invite à vous installer. Marcus également qui s'installe avec sa collègue du CDC. Et puis Jean-Jésus qui est assis à l'opposé. Eh bien, très bien, c'est parfait que vous soyez venu assez rapidement. Votre ami, votre collègue est toujours là-haut en train de se reposer? Oui, elle doit reprendre ses esprits. D'accord. Je crois que la cérémonie que vous nous avez faite hier l'a profondément perturbée. Oui, ça ne laisse pas indifférent. Je comprends tout à fait et j'en suis navré, mais malheureusement, nous n'avions pas le choix. C'est moi qui vous ai fait venir ici, justement, car il y a actuellement un très très grand danger que Marcus va vous exposer. Autour de ton cou, vous voyez un collier de graines multicolores. Elle est toujours vêtue de blanc. Elle paraît peut-être en avoir peut-être une trentaine. Et Marcus donc prend la parole. Comme vous avez pu le constater, Manon est naturellement une très puissante mambo. Elle a une connexion très privilégiée par rapport au monde des esprits qui lui permet d'ouvrir celui-ci sur le monde des hommes avec beaucoup de facilité. Vous la voyez, elle rougit un petit peu quand Marcus prononce ces quelques mots. Et par conséquent, elle parvient assez facilement à s'adresser aux esprits. Quoi qu'il en soit, pour reprendre notre conversation, Manon a en effet effectué un rituel pour vous permettre de retrouver Madame Greenberg. Manon prend la parole. Je les avais vus en effet dans mes rêves prémonitoires. Il y avait en effet cette femme et ses enfants qui s'y trouvaient, ainsi qu'un vieillard, un vieil homme. Questor pour une photo, quelques photos. Elle les regarde en attendant. Et Marcus vous demande, est-ce que vous pourriez nous en dire plus par rapport à vos visions, à moi et à Manon? Est-ce qui vous fait penser que nous avons eu des visions? C'est d'après ce que m'a rapporté Manon, justement. Elle vous a permis d'accéder à ce monde des esprits, par l'intermédiaire de vos rêves. Elle est assez douée pour cela. Pour ma part, tout semble encore confus. Désolé, je pourrais pas vous dire quoi que ce soit. Remington, Silo. Moi, je vois pas vraiment qu'est-ce que je peux dire, en sachant que... Ah, je ne vous entends pas, vous... Ah, ça marche pas, là? Vous m'entendez pas? Si, c'est bon. Il y a une coupure. Ah. Je reprends tout, ou il y a des choses qui ont été entendues? Non, bah c'est juste que quand t'as dit qu'on t'entendait pas, en fait, il y avait juste un petit bout d'avant, quoi. Donc je disais, moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à vous dire. Écoutez, si ce n'est qu'on a sûrement été drogués pour avoir ce qui deviendra, selon vous, une hallucination collective ou une expérience collective. Faut que ce soit clair, quoi. Vous n'avez absolument rien vu? Décrivez-moi, vous étiez... Ce que j'ai vu se résume à...
moi sous drogue. Est-ce que c'est pas particulièrement quelque chose d'intéressant, vous voyez ? Ce qui est intéressant, c'est détrompez-vous. Détrompez-vous, justement. Bien. Soyez honnête, sincère. J'ai vu une maison dans laquelle il n'y avait plus de bruit. À partir du moment où on était arrivé quelque part où là il y avait beaucoup de bruit, en arrivant dans cette maison, un escalier, en haut de cet escalier, une vieille personne et un jeune homme, et une vieille personne qui déblatère toute une série de conneries, et un jeune homme qui d'un coup a un air effrayé. Et voilà. Vous avez reconnu ce jeune homme, hein ? Je regarde les autres. Daniel n'était pas présent, donc il ne sait. Ah oui. On va dire. Et Remington. Remington était à l'extérieur. Il me semblait que c'était le fils Greenberg, mais je l'ai que très rarement entreaperçu. J'ai pas de sûreté de ça. Mais dans mon rêve, il s'agirait du fils Greenberg. Mais voilà, je vous rappelle, rêve sous drogue. En même temps, je suis en plein dans l'enquête, où en tout cas, on en parle régulièrement. Donc, il est normal qu'en plein milieu d'un rêve, eh bien, reviennent des prénoms dont on entend régulièrement parler et des noms dont on entend régulièrement parler. Il te montre la photo, le portrait de Donald Gauntlet. Est-ce que ce vieil homme correspondait à ce visage ? Ouais, c'est lui, ouais. Ouais. Et Manon vous dit, mais vous voyez, c'est exactement comme dans mon rêve, c'était lui, exactement. Le démon de mes rêves, il existe bien. Moi, ce personnage-là, je l'ai... Alors, HRP, on l'avait vu au FBI. Oui, dans des dossiers. Mais ce dont je sais plus, c'est si c'était moi ou Silo. Vous l'avez tous vu, hein. Après, vous partagez ces données, ces dossiers entre vous. Je crois que c'était Ethan, du coup, je suis pas sûr de l'avoir vu. Je sais pas, ouais, effectivement, c'est lui que j'ai vu. Ouais. Il y avait aussi une petite fille. Petite fille. Je te montre également la photo des enfants Greenberg, justement, pour voir s'il y avait cette correspondance. Vous avez vu également Madame Greenberg ? Oui, un peu plus tôt. Enfin, je ne sais pas si c'était réellement elle, mais oui, elle était avec sa fille. Je crois, je ne sais plus exactement. Quant au lieu, vous pouvez me décrire, est-ce que c'était... vous avez parlé d'une demeure, d'un endroit. Est-ce que vous pourriez apporter plus de précision ? Il y avait le... Attendez. Description avant... sur cette maison, sur... Avant qu'on réponde davantage, j'aimerais que vous répondiez à une question. Pourquoi avons-nous été affectés ici ? Je veux dire ici, au FBI. Je comprends en effet votre question. J'y viendrai après. Je vais être transparent avec vous. On fait partie d'une organisation, une force spéciale, orientée dans les phénomènes paranormaux. Moi et Marissa Fletcher, en complément justement de notre poste au FBI. Cependant, comme vous avez pu constater, le FBI est trempé au niveau très haut. Commencer par Terrence Dempsey avec Greenberg. Et c'est là-dessus où je voulais en venir. Vous pouvez en effet vite écarter du FBI, voire avoir des complications. Je fais partie d'une force spéciale confidentielle qui pourrait vous sortir de ce pétrin. Là, tu me vois un petit peu me défaire. Mais c'était que le résultat d'une hallucination. De quoi vous me parlez, là ? Ce que vous avez eu, ce n'était qu'un rêve. Un rêve prémonitoire, mais souvent, les rêves reflètent la réalité.
Ça n'existe pas, les rêves prémonitoires. Eh bien, Manon, en tout cas, je comprends hein, que vous soyez sceptique. Mais avec le temps, vous arriverez peut-être à avoir un peu plus d'ouverture d'esprit là-dessus. Manon, en tout cas, ce qui est incroyable, que vous soyez sceptique ou pas, c'est que tout concorde. Ces rencontres, j'ai retrouvé Madame Greenberg justement dans cette crypte. Il y avait Donna Gauntlet dans cette plantation. Et puis, Questor continue à sortir des photos. Est-ce que cette montre, en effet, une plantation avec une demeure, mais qui paraît beaucoup plus récente, en tout cas, que ce que vous avez pu observer, et vous reconnaissez, en effet, cet environnement. Et là, si vous me permettez, c'est quoi le nom de votre organisation secrète On nage en plein délire. Eh bien, nous sommes membres de l'organisation EOS, plus exactement. Et c'est une organisation gouvernementale? Vous avez des papiers là-dessus, quelque chose? Ou c'est un groupe de... Oui, tout à fait, tout à fait. Pendant ce temps-là, Marissa, je vais leur montrer quelques justificatifs qui pourraient prouver en effet l'existence de cette organisation. Mais j'ai mal compris, vous avez dit que vous aviez trouvé la femme Greenberg dans la grotte? Dans une crypte, exactement. Oui, crypte. Oui, exactement, elle était là, près de la tombe de son mari. Vous l'avez trouvée pour de vrai? Je l'ai trouvé dans mes rêves. Ah, il faut préciser tout ça. J'ai eu peur. J'ai eu peur qu'on ait fait tout ça. Enfin, peur, elle était juste là. Elle était. J'ai trop espoir. Ah oui, elle avait un. Ça ne compte pas. Enfin... En tout cas, c'est. Cette plantation est la propriété de Donald Gauntlet. Elle s'y trouve. Vous avez ici quelques photos, justement, des vues aériennes. Elle n'est pas loin de Port-au-Prince. Et tout indiquerait que la femme du sénateur Greenberg s'y trouverait aussi, avec ses enfants. Ah oui, mais il faut... Vous pouvez pas aller voir, alors? Il faut... Je sais pas, moi. C'est pas sous le couvert de l'organisation, mais sous le couvert du FBI, on peut pas aller jeter un œil. Il faut un motif précis, on n'en trouve pas. Après, tout dépend de l'approche que vous voulez engager. Mais faire appel au FBI, ça va nous engendrer des complications. C'est ça que je souhaiterais vous proposer de faire partie de cette organisation EOS. Malheureusement, vous en savez assez trop sur les dossiers Greenberg. Et je crains fort que vous soyez vite écarté. On nous avait déjà écarté de cette affaire quand on était lors de notre première surveillance. Après notre première surveillance. C'est pour ça qu'on nous a affecté ici. EOS se cache derrière certaines de ces coïncidences. En effet, vous avez été... comme par hasard désigné pour surveiller les Greenberg à Washington, vous avez pu enquêter sur certaines affaires qui vous ont ramené au Greenberg, et vous avez découvert une conspiration d'envergure cosmique. Dites-moi, juste comme ça, si je vous parle d'un arbre avec des racines... Marion le regarde également. Oui, ça me parle. Un arbre avec des racines, un peu corrupteur. Vous avez eu ces visions, justement? Vous avez vu cet arbre? Dans ce rêve? Non. Oh non. Où est-ce que vous l'avez aperçu, cet arbre? C'était quand j'ai parlé à Mille Bergers, la première fois. J'ai eu une vision. Après, je me souviens plus de rien, des cauchemars. Une personne squelettique. Il y avait cet arbre
plutôt froid, très froid. Et j'ai eu une autre vision. Encore cet arbre, mais dans une pièce toute blanche. Blanche, aseptisée, très moderne. Enfin, dans la vision que j'ai eue, la pièce me paraissait très moderne, très éclairée. C'est probablement le tronc mythique évoqué dans le dossier de Laurence Milberger. S'il vous plaît, Marissa, est-ce que vous pourriez sortir ce dossier ? Oui, bien évidemment. En effet, on dispose d'un dossier confidentiel avec Marcus sur la famille Greenberg et son histoire. Ce dossier reste incomplet, mais il mentionne en effet l'existence de Grindberg. Elle vous l'écrit en étant... Ça ne s'écrit pas exactement pareil que Greenberg, mais c'est que le nom de Greenberg Senior, G-R-E-2-E-N, mais plutôt ça commence par G-R-I-N-D. Et ça correspondrait au géant du givre originel, dont l'esprit est retenu prisonnier depuis plus d'un millénaire par les aïeux des Greenberg dans un fragment de tronc mythique. Et on doit la constitution de ce dossier au sacrifice de Laurence Milberger. Ces informations proviennent d'une autobiographie confidentielle rédigée de la main même de Greenberg Senior. Et entre autres, que Greenberg Senior séquestrerait le géant d'un lieu tenu secret. Et que son sang corrupteur procure pouvoir et longévité aux élus de la famille. Elle vous sort ce dossier justement, que vous pouvez parcourir. Je vais essayer de vous le partager. Et Marcus te pose la question à toi, Daniel. Vous avez rencontré Laurence Milberger ? J'ai rencontré Laurence Milberger à l'hôpital psychiatrique dans lequel il était. Il est mort. Je l'avais vu avant. Je ne savais pas que c'était lui. Vous l'aviez vu en quelles circonstances ? C'était après mon premier séjour à l'hôpital. J'avais été blessé par les zombies et... Et j'étais dans une chambre seule. Enfin, il me semblait que j'étais dans une chambre seule, mais apparemment, non, elle était occupée par quelqu'un d'autre. Et... Il m'avait parlé de verre. Il s'est levé, il s'est approché vers moi. C'était assez horrible. C'était une vision, je suppose. Oui, oui, ça oui. Ça vous oui, était déjà arrivé auparavant ? C'est Marcus hein, qui te parle comme ça, qui te regarde droit dans les yeux. Si. Enfin, c'était pas tout à fait une vision. La première fois que... J'ai croisé le regard du petit-fils Greenberg. Et encore maintenant, j'ai une sensation de froid, une sensation de froid terrible. Et là, vous parlez de géant du givre. J'avais déjà fait le rapprochement, plus ou moins. Vous aviez récupéré ces informations par quel moyen ? Quelles informations ? Sur ce géant du givre. Géant du givre, bah vous venez d'en parler. Et sinon, on avait aussi... mes collègues ici présents... Ils avaient rencontré un expert en mythologie. Il faut dire que... Exactement, tout à fait. Il a raison, j'avais pris rendez-vous avec lui. D'ailleurs, il faudra que je lui rende. Bon, je n'en arrivais pas à faire le lien. On lui a parlé des runes, de tatouages, on a parlé des racines qu'on a trouvées dans les galeries en Kronski, et on nage dans tout ça, on n'arrive pas à faire le lien. Et maintenant, comment faire le lien entre la partie Greenberg et Gauntlet ? Greenberg qui retiendrait un géant, les Gauntlet qui veulent la vie éternelle et qui le mariage qui a été prévu de longue date. J'avoue qu'il va falloir qu'on planche un petit peu pour remettre tout ça en place, à moins que
vous ayez des plus d'informations. On vous met justement à sa disposition ce dossier. Je ne sais pas si vous le voyez, en fait. Je voulais partager. Ah, super. On vous sert du jus d'orange également. Vous avez un bol de céréales ou café, quelques viennoiseries, du pain au milieu. On vous propose également, des serviteurs arrivent pour proposer des pancakes, des œufs au plat. Est-ce que quelqu'un veut lire ce dossier, justement ? Le dossier et toutes les pages normalement il y a après vous pouvez répartir hein. Il est en trois parties, donc vous voyez il y a une première partie ainsi naquit notre héritage. D'accord, je vais commencer après si Nola est descend. Ouais, moi je veux bien aussi. Oui, Nola, tu peux descendre. Hein, Mais je peux lire. Sans oui, elle va lire de loin parce que en fait. Je lis dans vos têtes. Elle lit dans vos têtes. Mais allez-y, ceux qui sont présents d'abord. Et si je peux pas lire, c'est pas grave. Et si tu liras, on te laissera un petit passage. Parce que tu l'auras lu, ça sera un forback. Un forward. Journal Greenberg. Ainsi naquit notre héritage. Lorsque la corruption du clan tout entier fut achevée au 9e siècle, dans les landes sauvages d'Écosse, les Green entreprirent de causer la perte de l'humanité. On retrouve traces de nos ancêtres au crépuscule du 12e siècle. Il possédait alors des domaines dispersés entre les îles britanniques, la Suède, la Norvège, le nord du Danemark et les côtes de Normandie et de Bretagne. Hélas, ils avaient peu de relations entre eux et leur arrogance les rendait imprudents. Ces faiblesses retardèrent la mise en œuvre de leurs desseins sombres et leur valurent de subir de graves revers à l'occasion desquels ils se découvrirent de farouches ennemis. C'est alors seulement que les chefs de la famille décidèrent de s'unir et de cultiver le secret autour de leur nature. Pour y parvenir, il fut décidé d'organiser une correspondance régulière entre les principales branches de la famille et de se retirer provisoirement des affaires du monde afin de se faire oublier. Par conséquent, ce n'est pas avant le XVIe siècle que les descendants des Green refirent surface. Cette grande famille était alors divisée en deux branches fortunées. Je lis l'arbre ou pas du tout ? Je l'ai partagé, hein, donc c'est pas la peine. Hein. Après, je peux vous le repartager hein, si vous avez besoin. Ah oui, c'est mieux comme ça. Plus grand. Lis la suite si tu veux. Ouais, tu peux. Tu peux prendre le relais. Ok. Les Green. La principale. Les Green, de base à Stockholm, appartenaient à la noblesse suédoise et accordaient le plus grand intérêt aux affaires du pays. Par ailleurs, elle avait hérité des marchands de la Hanse de nombreux intérêts en Allemagne et en Grande-Bretagne. Nombreux membres de la famille Green n'hésitèrent pas à se convertir au protestantisme, lorsque leur très avisé patriarche perçut qu'il y avait là une chance de pervertir une branche entière de la chrétienté. Au XVIIe siècle, les Green remportèrent leur succès le plus éclatant l'occasion de la guerre de 30 ans. En 1618, ils poussèrent par d'intenses intrigues les souverains protestants et catholiques à se sauter à la gorge. Ils encouragèrent notamment le prince Ferdinand de Styrie à se montrer intransigeant vis-à-vis des protestants de Bohême. Plus tard, l'intervention de Sverne Green, alors conseiller du roi de Suède, fut déterminante dans la décision de Gustave Adolphe d'entrer en guerre aux côtés des protestants. Il est également dit que la mort tragique du roi de Suède lors de la bataille de Lutzen fut arrangée par les Grimm, car le roi était sur le point de découvrir leur secret maléfique. Ils eurent une immense fortune en vendant des armes aux belligérants, mais surtout, leurs ambitions s'étaient réalisées à une échelle jusqu'alors inespérée. La guerre de 30 ans fit de l'Europe le théâtre de l'horreur pendant de longues décennies. L'autre grande branche était la famille bourgeoise des Greenberg de Normandie. Gardienne du fragment de tronc d'arbre mythique qui retenait l'esprit du géant prisonnier, cette dernière perdit de son influence lorsque ses enfants les plus prometteurs s'expatrièrent de l'autre côté de l'Atlantique, en emportant avec eux la relique familiale, le précieux sarcophage. L'Acadie accueillit alors une branche importante de Greenberg, permettant à ces derniers de nourrir de nouvelles ambitions à l'échelle d'un continent.
poursuis ? Vas-y. Ouais. Répandre la corruption. Mais les plans des Greenberg furent à nouveau bouleversés en 1755, lorsque l'Angleterre s'empara de l'Acadie. 6000 habitants de la région, qui refusèrent de prêter serment d'allégeance à la couronne britannique, s'exilèrent et s'installèrent à la Nouvelle-Orléans et dans ses environs. Les Cajuns étaient nés. Mais ils n'étaient pas partis seuls. Les Greenberg les accompagnaient et avaient emmené avec eux leurs noirs secrets, leurs pratiques impies et leurs plans de corruption de l'humanité. Ceux qui étaient nos ancêtres directs usèrent bientôt de leurs richesses acquises en exploitant le coton pour répandre la corruption au sein des institutions politiques, dans le milieu des affaires et au sein de la classe blanche défavorisée de la population locale. Dès lors, notre sphère d'influence s'étendit progressivement jusqu'à prendre une dimension nationale. Durant la guerre de sécession, nous révisâmes au bon moment nos sympathies pour les confédérés au profit des Yankees. Cela nous permit de préserver, puis, ultérieurement, d'accroître nos intérêts commerciaux et politiques au nord. Le 19e siècle finissant permit à la famille Greenberg, devenue Greenberg, de développer ses activités dans le pétrole. La Grind Oil était née. La fortune et le nom des Greenberg étaient faits. La Grind Oil s'associerait plus tard à la riche compagnie pétrolière Premium Oil, fleuron de la multinationale Pentacle, dirigée par ce diable de Donald Gantley. De génération en génération, nos activités ne cessèrent de se diversifier, notre influence de grandir, jusqu'à faire de notre famille tout entière consacrée à la perte de l'humanité la plus puissante de Louisiane. La Première Guerre mondiale fit de notre branche la plus fortunée des descendants du clan Grind. Hélas, comme par le passé, une vie de luxe émoussa notre prudence et notre discrétion. Des ennemis séculaires qui nous croyaient disparus à jamais refirent surface et mirent à mal quelques-unes de nos entreprises. Mais le coup le plus cruel devait être porté par un événement que nous n'avions pas pressenti, la crise boursière de 1929. Des décennies d'efforts auraient été nécessaires pour se remettre du choc si la Seconde Guerre mondiale n'avait pas éclaté. Et pour finir, la prospérité. La prospérité. Les années de prospérité générale qui suivirent le grand carnage virent les plus grands succès de la branche américaine. La famille Greenberg parvint à son apogée avec l'élection d'Adam Greenberg Jr. au poste de sénateur de Louisiane. J'envisageais alors de le présenter aux élections présidentielles dans les années à venir. Adam François Adrien Greenberg Sr. préface de ses mémoires à l'adresse exclusive de ses descendants. C'est peut-être à ce moment-là que tu descends d'ailleurs, tu entends ce passage, Nola. Et comment vous êtes procuré par justement ces mémoires à l'adresse exclusive des descendants de Greenberg? Justement, grâce au sacrifice d'un seul homme, Lawrence Milberger. Il faisait partie de l'EOS? Également. Il faisait partie d'EOS. Comme moi. Comme vous avez pu voir, il existe en effet des rivalités entre Greenberg Senior et cette entité qui possède Gantley. Manon m'a rapporté cela justement, qu'elle avait vu une sorte de chose abjecte, une larve qui a pris possession de ce vieil homme. Et cette dernière a l'intention, en effet, de se servir de son arrière-petite-fille et de ses enfants pour prendre le dessus. Par rapport à ce dossier et ce que Manon m'a rapporté de son rêve, que vous avez vécu également, plus ou moins en partie, mon intention est de faire tomber Greenberg Senior et Gantley. Et le plus tôt sera le mieux. Comprenez les raisons. Le temps est compté avant que l'aïeul de Madame Greenberg ne mette son plan à exécution. Je
vous propose donc de rejoindre notre cellule et de nous aider à mener cette mission à bien. Avec, bien évidemment, nous ne serons pas seuls. Oui, Jean-Jésus prend la parole. Bien évidemment, nous aurons une vingtaine d'hommes à Haïti. Ils travaillent sous couvert d'une ONG internationale et ils pourront nous accueillir justement et nous fournir toutes les armes nécessaires. Ce sont d'ailleurs de vrais soldats. Là-dessus, ils seront parfaitement équipés et pourront éventuellement assurer votre protection. Oui, enfin, Marcus reprend la parole, mais je tiens à être transparent, ça va être quand même un plan assez périlleux et clandestin, et je souhaiterais donc faire une pierre deux coups. Voler cette créature dissimulée dans ce tronc, dans cet arbre, dissimulée quelque part, et nous rendre ensuite en Haïti pour s'en servir contre Gondley. Et libérer les Greenberg. Cet arbre, en effet, a certaines puissances, comme vous pouvez vous en douter. Dans le mémoire, d'ailleurs, dans les dossiers que vous avez pu parcourir, vous avez vu beaucoup de similitudes dans l'histoire qu'avait raconté Dr. Bird. Vous avez cité Dr. Bird sur ce clan des Grind, clan viking des Grind, justement, qui étaient justement les descendants de ce géant de givre et qui avaient été corrompus en réveillant une partie noire en eux de cette divinité après avoir parcouru ces galeries dans les landes écossaises. Ces galeries qui existent également sous la demeure des Konski, ou qui existaient. Arrêtez-moi si je me trompe, mais vous êtes en train de dire que vous aimeriez que nous emparions de cette créature mythique et que vous pensez pouvoir la contrôler? L'un d'entre nous pourra la contrôler, justement. C'est Jean-Jésus qui prend la parole. Il y a en effet un des prêtres, justement, des Sœurs de Marie. Oui, c'est François-Xavier, dit Manon, qui... durant une cérémonie qui sera organisée justement par Gauntlet pour passer de son corps actuel à celui de son arrière-petit-fils, Adrian Greenberg, eh bien notre stratégie, ce serait que notre prêtre récupère ce sarcophage en bois qui détient cette ancienne divinité nordique, afin de la libérer et de détruire Gauntlet. Nous pensons que c'est la seule chose qui pourrait tuer cette entité cosmique à partir de l'esprit du géant. Attendez, moi ce que j'ai vu en rêve, c'était pas très sympathique. Vous voulez libérer ce qu'il y a dans ce tronc. Exactement. Vous avez vu quoi exactement, plus précisément, dans vos rêves? Ah, c'était squelettique, c'était horrible, c'était... C'était un géant, mais décharné. C'était... Je sais pas, il était horrible. Simplement, j'ai... Et vous pensez pas que ce soit la même... La même créature, je veux dire, celle qui était dans Gauntlet et puis celle qui est dans ce tronc. Je veux dire la même espèce. Mais dans Gauntlet, c'était... Ça ressemblait plus à un énorme ver qu'à un géant. C'est ce que dit Marion. C'était un ver géant. Oui, c'est exactement ce que j'ai vu quand je suis monté à l'étage. J'ai vu cette larve sortir de Gauntlet. Ce n'est pas absolument pas... Je n'ai pas senti l'esprit du géant de givre. En aucun cas. Mais quand bien même ce serait cette larve, comment est-ce que vous envisagez, pour peu que ça existe réellement, de la neutraliser? Elle est translucide et elle... Comment vous envisagez? Notre plan consisterait à... C'est Marcus qui parle. À
pénétré avec le sarcophage, justement, du sang du géant. Donc ce tronc, en fait, dont tu as... Donc vous avez eu des visions, Daniel, de pénétrer dans la résidence, justement, de Gauntlet, à Haïti, et de libérer l'esprit du géant. Et selon toute vraisemblance, cette force primordiale devrait tout balayer autour d'elle. Et donc on parle de vraisemblance, là. Voilà. Mais... Y compris les créatures cosmiques qui possèdent Gauntlet. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que cette créature voulait sortir de ce corps. Le problème, c'est qu'elle veut ensuite entrer dans celui d'Adrien. Et justement, notre but, c'est de stopper ce processus. Tout votre plan risque de mettre Adrien en danger et de précipiter les choses et de le rendre possédé. Et si Adrien n'est pas là, est-ce que cette bestiole-là, elle peut pénétrer un autre corps? Moi, j'ai vu des films d'horreur quand j'étais gamin, où il y a des trucs comme ça. Enfin, justement, l'esprit du géant devrait l'anéantir, devrait la neutraliser et la stopper. Quant à Adrien, il ne risquera rien. Son fils. Comment vous pouvez dire ça? Il possède en lui le sang du géant. Il sera immunisé en quelque sorte, en toute logique. Eh bien, quand je l'ai vu, il n'avait pas l'air rassuré. Donc, c'est pas qu'il risque rien, parce que s'il se fait voler son corps, son esprit, son âme, tout ça, enfin, je. Il n'était pas rassuré à la vision de cette chose. Notre priorité est avant tout d'arrêter cette chose, cette entité cosmique. Je pense que ce sang du géant, justement, lorsque son esprit sera libéré pour anéantir cette entité cosmique, que ce sang qui est justement dans les enfants, dans les enfants dans les petits-fils Greenberg, pourront les immuniser, les protéger. Et c'est pour cela que justement Marissa Fletcher est avec nous. Elle est en train de développer. Oui, exactement. Je suis en train de développer un dérivé très allégé du sang du géant. Vous m'en aviez en effet transmis quelques échantillons. Je crois que c'était, il me semble, lors de ce carnage effectué par les Youngbloods. Je pense pouvoir faire en sorte de créer quelque chose, une stabilité. Je ferai bien sûr des tests et ça nous permettra d'augmenter notre endurance. Vous savez combien de personnes sont mortes à cause de ce sang? Oui, c'est parce qu'il n'était pas contrôlé, mesuré. Il n'y avait pas eu de procédés chimiques. Ceux qui sont utilisés justement par le Tienja Club. Je me suis renseigné sur leur composition, leur transformation de ce sang, de ces globules. Et j'ai tout sous contrôle. C'est une question de temps, justement. Bon, alors, je vais d'ailleurs repartir là-dessus pour continuer mes travaux. Ça ne devrait être prêt assez simplement sous peu. Et alors concrètement, pour nous, c'est quoi le plan? C'est d'aller récupérer le sarcophage, c'est ça? Vous l'avez, le sarcophage? Comment ça se passe? Le sarcophage, justement, nous sommes à sa recherche. C'est lui qui fournit ce sang du géant. Et c'est quoi le délai? Le plus rapidement possible. J'ai une petite idée où il se trouve. Je vous écoute, Daniel. Les Moubank. Certainement au siège des Moubank. Le convoi, dans oui. Le laboratoire. Il y a souvent des convois en effet plasma. C'est ce qu'on pressentait, c'est ce qu'on pressent. Les Youngbloods ont récupéré en effet le sang dans l'un des sacs. Et ensuite, ils ont ingéré ce sang, ce qui les a rendus complètement fous, furieux, malades. Et ce sang était destiné au Quinja Club. Quinja Club, justement, où, d'après vos rapports, auraient été réalisés des rituels autour de ce sang, justement, pour augmenter peut-être une certaine jeunesse. Quand il me parle, justement, du sang, j'ai la vision. La vision de cette cérémonie qu'on a eue avec le poulet et du sang qu'on a dû boire. Et
puis l'effet que ça a eu sur moi, c'est-à-dire aller vomir. Ouais, tu peux me faire garder le contrôle. Quant à moi, pendant tout cet échange, depuis que j'ai bien compris que ça allait pas du tout aller dans le sens où j'aimerais, je pense que je me tais et je leur lance des regards vraiment, vraiment mauvais à tous. Tu voudrais que ça aille dans quel sens ? Bah, ce que j'ai dit, en fait, que je comprenais pas qu'on faisait pas tout d'abord pour protéger l'enfant et qu'il semble... enfin, j'ai presque l'impression... Je comprends pas ce qu'ils veulent, en fait, Questor et Marissa. J'ai l'impression qu'ils veulent... Je me dis, est-ce qu'ils voudraient pas plutôt, eux, avoir du pouvoir avec... avec ce sarcophage, ce géant, enfin, je suis pas dans mon état normal non plus, hein. Je suis toujours sous le choc encore. Mais ça carbure dans mon ciboulot et je... Oui, tu sens d'ailleurs une petite main, d'ailleurs, tu es installé sur une chaise avec des accoudoirs, et puis tu sens une petite main d'enfant sur ta droite, et tu regardes d'un seul coup, t'as une petite frayeur, tu sais pas ce que c'était, et tu regardes, tu vois cette main, et qui s'échappe, tu te retournes, tu ne vois personne, et cette main était glaciale. Tu regardes sous la table, tu ne vois personne, par les jambes des convives. J'ai dû me lever d'un coup, et puis je me rassois en regardant un peu autour de moi, tu vois, comme quand on est gêné, qu'on a fait, hein. Par exemple, quand on s'endort et qu'on se fait réveiller d'un coup par son propre ronflement. Voilà, je me rassois sur ma chaise et je me renfrogne de nouveau en regardant les gens par en dessous et en laissant des regards pas très agréables et tout en regardant de façon un peu paranoïaque aussi autour de moi pour... Oui, tu regardes les miroirs. Câble, hein. Ouais, tu peux regarder, t'as un grand miroir au sol. Tu regardes les lampes, tout ça, et tu repenses peut-être à ce que Remington t'avait dit. Peut-être qu'il y a des enregistrements, des gens qui vous observent derrière un trou dans un tableau, dans un Judas. Tu te sens très mal à l'aise. Daniel, toi, tu étais en train de boire ton jus d'orange au moment où tu as en effet eu de la nausée, et c'était assez désagréable. Tu as dû te sortir un instant avant de revenir. Dans cette salle à manger. Je comprends que c'est assez dur pour vous d'entendre ceci, mais on a affaire en effet à deux menaces pour l'humanité, comme vous avez pu le comprendre, à savoir l'esprit du géant Greenberg qui continue à l'utiliser, et Gauntlet qui n'est autre qu'un esprit puissant et maléfique, prêt à se réincarner en son arrière-petit-fils. Et ces racines qu'on a vues, c'est pas l'arbre quand même, c'est pas le sarcophage. Pas jusque chez les... D'après le dossier de Mille Bergers, ces racines correspondraient justement au cercueil du géant du givre originel, dont l'esprit est retenu prisonnier depuis plus d'un millénaire. Ce n'est qu'un fragment de tronc mythique, un peu comme ce que vous m'avez décrit, mais qui contiendrait justement le sang du géant. Jusque chez les conscrits. Ah, ce que vous m'aviez... Vous me dites qu'il est chez les conscrits ? Je ne comprends pas. Non, je veux dire les racines. Oui. Il y en avait chez les conscrits. Il y en avait, oui. Quand nous avons parcouru ce dossier, justement, il y avait les mêmes dans ces Highlands. Il y avait cette similitude, et dans ces rapports que vous nous avez communiqués sur justement l'album des Conskis, il y avait également tous les leaders des Quinja Club qui probablement ont basculé comme ce clan des Gring Vikings vers quelque chose d'obscur, près quelque chose qui arrivait, quelque chose de sombre en eux. Partie sombre, la partie
maléfique du géant du givre qui ne peut effectuer que des procédés maléfiques d'anéantissement total de l'humanité. C'est ce qu'on a pu voir d'ailleurs durant toute l'histoire des Greenberg racontée dans ce journal. Donc l'objectif des Greenberg, c'était d'anéantir l'humanité. Et peut-être aussi l'objectif du géant, si vous le libérez, il va peut-être détruire la créature de Gauntlet, enfin celle qui a investi son corps, mais il va peut-être aussi détruire le monde. Est-ce que vous avez de quoi contrôler cette créature au cas où ? Oui, notre prêtre, c'est ce que dit Manon, s'est renseigné justement sur ces divinités. Il sait exactement comment procéder. Il nous expliquera tout cela en détail de vive voix en Haïti. Il nous attend là-bas. Il sait, il l'a déjà pratiqué sur une autre entité ou ça va être la première fois, c'est tout à fait théorique tout ce qu'il avance. Non, il a absolument la foi et si on a la foi, on peut tout réaliser. Vous êtes assez sceptique, bien sûr, quand elle prononce ces mots. Surtout toi, Silo, tu es... Ah bah complètement, oui, c'est cette affaire-là. Mais en même temps, cet esprit, tu y crois pas trop, je pense, et... Ah non, effectivement, j'y crois pas. Après, il y a des coïncidences, mais il doit y avoir une raison. En libérant ce froid, ce qu'explique Marcus, cet esprit de géant, ça devrait propager un froid assez glacial, uniquement. Mais ne devrait pas justement obscurcir votre âme ou vous détruire. C'est pour cela que on va vous procurer justement une sorte de sérum, si vous acceptez de l'utiliser, si vous acceptez de nous rejoindre pour cette mission. Sérum fait à base du sang du géant. Exactement. Le même sérum. Vous l'aurez à faible dose justement ou. Vous aurez une sensation, justement, quelques effets secondaires, mais ça va durer que quelques jours, vous précise Marissa. Bien sûr, je ne mettrai pas toute la dose qui pourrait vous perturber au niveau de vos métabolismes. Vous êtes bien aimable. Je vais de toute façon retravailler là-dessus, continuer à préparer... car le temps nous est compté. Bon, donc, sarcophage. Et le verre, qu'est-ce que c'est ce... Comment on sera protégé contre le verre ? Le verre. Justement, c'est l'esprit du géant qui va l'anéantir. Ça, c'est ce que vous dites. Mais si c'est pas ce qui se passe ? Il y a en effet un risque. Mais l'esprit du géant, c'est quand même, on pourrait, elle est très ancien, bien sûr, mais il dit que ce n'est pas une autre entité cosmique sous une apparence différente, et que les deux Fanny ne sont que les jouets de deux entités cosmiques, et pas qu'une seule. Et le fait de tuer le géant, est-ce que vous pensez que ça va sauver l'enfant ? Si on le sauve des griffes de Gauntlet, d'accord, mais il est quand même corrompu, si j'ai bien compris, par le sang qu'il a dans les veines. Et donc, est-ce que ça va pas poser des problèmes plus tard ? Est-ce qu'il va pas à nouveau courir après cette espèce d'immortalité ? Est-ce qu'il va pas encore faire enlever des enfants et les tuer et tout ça ? C'est une possibilité. Hein. Pour l'instant, nous émettons des hypothèses. Tout est J'ai souvent vu, j'étais confronté à ces phénomènes paranormaux, mais jamais d'une telle ampleur. D'où l'urgence, sachant que nous sommes très coincés. En effet, les hypothèses que vous émettez peuvent se produire. Peut-être que ce géant est une autre entité cosmique, un extraterrestre, peut-être quelque chose qu'il faut garder sous contrôle. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sang qui est prélevé peut être sous contrôle, une protection pour vous. Et cette diffusion, d'après le témoignage de Laurence Milberger, de cet esprit, ne serait que temporaire. Après,
Ce ne sont que des estimations que nous faisons. Peut-être que un froid uniquement va se déclencher, se propager en Haïti, mais le monde entier est en danger. Peut-être qu'il y aura des centaines de personnes, voire des milliers à sacrifier. C'est en effet un choix très difficile à faire, mais en même temps, c'est eux ou l'humanité tout entière. Et vous avez une idée de ce qui est réellement arrivé à Mille Bergers et à même... comment ? Mille Bergers, justement, enquêtait comme... Oui, mais je veux dire, les autres personnes qui étaient prisonnières dans ces galeries sont tous devenues un peu comme Mille Bergers, bon, à part... Mille Bergers a dû réussir à s'enfuir, puisqu'on l'a retrouvé paumé près de Lafayette. Il a certainement dû surmonter cette épreuve psychique qui l'anéantissait. Il ne s'est peut-être pas laissé aller, contrairement aux autres dirigeants du Tianjin Club. Il a dû réussir à s'enfuir et, en revanche, ça lui a laissé quand même quelques séquelles, et plutôt de finir comme eux, il a certainement dû procéder à un suicide. Je pense qu'il a essayé de se suicider, en tout cas. Travailler. Je ne vous entends pas très bien. Vous êtes en train de manger un pain, une viennoiserie. Je ne vous ai pas bien entendu. J'avais un peu faim, mais ça va finir par me couper la faim d'ailleurs. Ouais. Je dis dans ces galeries comme ça, c'est le géant qui a interagi avec ces prisonniers. C'est pas la larve de Gauntlet. Absolument pas, non. Non, ce sont des... C'est bien la preuve qu'elle n'est quand même pas non plus tellement digne de confiance et pacifique, on va dire. Alors, ce ne sont pas justement les racines du géant, mais plutôt des racines qui libèrent le côté maléfique du géant du givre. Oui, là, on va jouer sur le côté maléfique et sur le côté bénéfique, comme il est repris dans le dossier, là, au départ. Une partie qui corrompt, mais le géant ne fait quand même qu'un. On n'a pas l'un sans l'autre, je suppose. Eh ben, si. C'est pour cela, justement, qu'ils ont réussi à isoler ce tronc. Quelque part. Probablement là où, d'après ce qu'on a pu regrouper comme info avec vous, certainement au laboratoire des Mobank. Et pour Denis Clark? Denis Clark a certainement été aussi corrompu comme les autres dirigeants du Tianjin Club. Oui, mais il a été capable de choses absolument incroyables quand même. Il était capable d'effacer certaines choses qui se passaient devant certaines personnes. Il était capable, un peu comme les Kronsky, de créer une sorte de malaise, une sorte d'absence. C'est... Ce contact, justement, dans ces labyrinthes maléfiques, libère peut-être un sixième sens. Chacun peut développer un don. De ce que vous m'aviez remonté, Denis Clark pouvait contrôler l'esprit des gens et les neutraliser. Laurence Milberger n'était pas arrivé à ce stade. En revanche, j'ai souvent eu des visions de Laurence qui m'accompagnaient sur mon enquête. C'est pour ça qu'il m'a contacté aussi, je suppose. Vous me posiez la question tout à l'heure, pourquoi est-ce que vous aviez été engagé ? Oui. Je n'ai pas forcément toutes les réponses, mais en tout cas, nous avons essayé d'être depuis le début derrière vous. On s'est renseigné chacun sur votre passé pendant votre formation à Quantico. Et j'avais pour instruction, par rapport à l'organisation EOS, de me servir de vous pour exposer les machinations des Greenberg, sans prendre de risque d'exposer EOS. J'en suis navré pour vous. Et Manon prend la parole. C'est peut-être aussi... peut-être que c'est les étoiles... qui se sont alignés pour vous, pour que toutes ces circonstances fassent que vous êtes peut-être les élus.
Il y a une certaine divergence, en tout cas d'idées, entre Marcus et Manon. Est-ce qu'il serait possible que j'ai accès au... à ce qui a été effectué sur ce sang? Le sang du géant du givre? Oui, bien, si vous le souhaitez, rejoignez Marissa, justement. Vous allez de... Manon t'accompagne, justement, à un sous-sol, un laboratoire sur lequel... Maritza est en blouse blanche et en train de procéder à quelques analyses. Je cherche une blouse blanche, justement. Oui. Je vais l'enfiler. Si j'en trouve une. Mmh. Oui, t'en trouves une. Une, t'as un porte-manteau à l'entrée. Tu peux déposer ta veste et puis elle te montre justement des blouses qui sont stérilisées, que tu peux utiliser, emprunter. Des gants. Une salle dédiée avec les gants, la totale. Est-ce que je pourrais accéder à... Oui, bien évidemment, regardez. Tu la vois, elle est justement avec un microscope. Elle voit les cellules qui sont en train de s'agiter nerveusement, très rapidement. Et elles ont l'air de s'attaquer entre elles, quitte à se détruire. Et puis, tu vois à un moment donné une sorte d'acidité... voici voilà, le premier échantillon prélevé sur les Youngbloods, et d'après mes recherches justement, et d'après les éléments scientifiques qu'on a récupérés au Quinjin Club, à la Quinjin Clinique, on peut stabiliser justement ce processus et atténuer les effets secondaires. Regardez, elle te montre un deuxième échantillon justement, et là tu vois en effet que c'est parfaitement stable. Et si nous effectuons en effet des refroidissements, je vais simuler justement à moins 50 degrés, vous voyez que il y a une protection par rapport à un sang classique. Alors, tout le monde, différents groupes de sang qui sont en effet tous perturbés à moins 50 degrés, voire beaucoup moins en termes de température. Et c'est assez stupéfait, mais en tout cas, tu parais rassuré, en tout cas quand elle te montre les différents échantillons, les différentes têtes. Alors ça prend en tout cas deux bonnes heures, hein, ce qu'elle te démontre. Oui, et puis ça te montre une cohérence totale, hein, elle maîtrise son sujet. Hein. Je vais lui poser des questions, notamment est-ce qu'il s'agit bien de sang humain ou autre chose, est-ce qu'elle l'a analysé? Oui, ce sont équivalents à du sang humain, mais d'un groupe assez particulier. C'est moi justement qui avais fait ces relevés, hein, que Marcus a dû vous redescendre justement par rapport à mes analyses. Est-ce que vous avez essayé ce sang sur un animal qui était souffrant? Ou voir quel effet ça aurait sur lui? Alors oui, elle a essayé, tu vois quelques macaques dans une salle à côté où elle te montre certaines vidéos d'ailleurs où tu vois les réactions avant et après équivalent à ce que tu as pu voir au microscope avec le sujet A, le sujet B. Moi, ça me fait remonter certaines choses que j'ai vécues, tout ça, il y a quelques années en tout cas, notamment ces expérimentations. Ouais, tu peux me refaire un gardé de contrôle du coup. Ou peut-être la compétence associée à ce désavantage. Je clique sur le sombre secret, c'est ça? Alors, c'est pas le sombre secret, mais je vais regarder quelque chose, savoir si t'as un désavantage. Alors, dans ces cas-là, ouais, tu cliques directement sur garder le contrôle. Et si on regarde plus attentivement cette compétence au niveau des expérimentations médicales... On va voir un peu ce que ça va donner. Tu penses brièvement en effet à tous ces cobayes, ces familles qui ont été sacrifiées. Et dans ta tête, tu n'écoutes plus ce qu'elle te dit, justement, cette scientifique du CDC. Et tu parles tout seul. Pardon pour tout ce que j'ai fait. C'est surtout que je revois certainement sur une vidéo pendant un bref instant le visage de quelqu'un qui est assez avec du sang qui coule par les yeux et qui frappe contre
contre la vide. C'est une image fugitive, mais qui finit par disparaître. Et je m'écarte de cette vidéo. Bon, c'est rat. Tu peux repartir après où tu veux, peut-être la salle à manger. Pendant ce temps-là, Remington, Nola et Silo, je vous laisse un petit peu le temps pour réfléchir, vous dit Marcus, savoir si vous voulez faire partie justement de ces deux objectifs, à savoir voler la créature dissimulée probablement à la société Hemobank, au laboratoire d'Hemobank, qui se trouve à la Nouvelle-Orléans, et puis ensuite, dans un second temps, nous rendre en Haïti pour s'en servir contre Gauntlet et libérer les Greenberg. Est-ce que pour tout ça, on a une accréditation gouvernementale ? Il faudra tout faire en sous-marin. C'est absolument confidentiel, comme je vous l'ai expliqué. Le gouvernement n'est absolument pas au courant de... Voilà. Cet donc, organisme. Donc, par exemple, le réclamer, je sais pas moi, si on arrive à identifier où est le tombeau, pas le tombeau, le sarcophage, utiliser un mandat pour le récupérer, on compte pas là-dessus, quoi. On peut, vous êtes toujours des agents du FBI, on peut s'appuyer justement sur le FBI pour obtenir un mandat, récupérer le tombeau. En revanche, ce qui va se passer, c'est que le FBI, après, va réquisitionner ce tombeau. Faudrait peut-être essayer de le récupérer avant. Ouais, ok. C'est une possibilité. Donc, mais alors, est-ce qu'à partir du moment où toute l'histoire sera finie, si elle se finit, et si, pour peu que je croie à toute cette histoire-là, vous serez absolument couvert, protégé. Ok. Je m'en porte garant. Ouais, enfin si vous n'êtes pas protégé, nous non je plus. Suis également protégé. Ok, eh bien écoutez... je ne peux malheureusement pas vous en dire plus sur cette organisation. Ouais, ouais, comme... Ouais. Je serais assez d'avis de se mettre là-dedans. Bon, il n'y a aucune... À part le fait qu'il faut que ça aille le plus vite possible, il n'y a aucune... aucun délai... je sais pas moi... Notre objectif, c'est d'aller au plus vite. Nous avons, je pense, 24 heures pour récupérer ce sarcophage. Peut-être moins, en tout cas, le plus rapidement possible. Et puis ensuite, il y a un avion, justement, de l'ONG qui nous attendra à l'aéroport, qui se trouve à proximité, d'ailleurs, un aérodrome. Bon, bah allons-y. Hein. Nous installerons, justement, ce cercueil. Ce sarcophage, et puis ensuite nous partirons directement en Haïti. Petite question comme ça. Je vois pas ce qu'on ferait d'autre. Hein. On grille au FBI si on veut pouvoir continuer notre enquête et quand même faire quelque chose de valable et de bien. Je pense qu'il faut que nous soyons de la partie. Juste si jamais on choisissait là de vous dire non et de rentrer chez nous. Qu'est-ce qui se passe ? On en sait trop et vous nous éliminez ? Non, moi je ne... Vous avez absolument toute la liberté que vous souhaitez. En revanche, comme je vous disais, Terence Despley est un très proche de Greenberg. Il a des appuis très forts au FBI et ferait en sorte peut-être de vous mettre sous silence. Il y a un risque, en effet. Je vous laisse réfléchir, hein. Vous n'êtes pas obligé de me donner une réponse tout de suite, mais... Faut y aller, puis voilà, de toute façon, si entre la menace et un petit peu d'aventure, autant y aller. Puis on est couvert. De toute façon, après, vous êtes couvert. Ouais. Nous avons aussi des appuis très puissants au sein de notre organisation. Silo, vous m'aviez donc... nous avons une première piste pour... récupérer ce sarcophage, envoyer un mandat. Non, moi j'ai rien dit, moi non, j'ai aucune idée, j'attends vos informations. C'est les autres qui ont parlé de chez les Kronsky. Hein.
Non, non, moi j'en sais rien, monsieur. Alors, du coup, il se reprend et puis il te dit... Du coup, il se reprend et puis il s'adresse à vous tous. En... Donc, on a une première option. Quant à la... Est-ce que vous avez d'autres options, justement? Bah, a priori, comme ça. Moi, je suis pas là pour l'instant. Je suis dans le laboratoire. Oui, t'es encore au labo. Ouais. Non, mais je suis partant. Ah, parce que si c'est pas là-bas, entre toutes les entreprises potentielles, les gens croisés et tout. Je peux vous demander un service en échange? Je vous écoute. Si vous en êtes bien évidemment. Votre organisation. Vous pourriez faire libérer ma soeur. Il regarde dans son dossier. Elle se trouve où exactement? Je lui dis le nom de la prison. Je sais plus très bien. Ouais, exactement. Je vais voir ce que je peux faire. Il regarde dans ses dossiers, il regarde tout ce qui concerne ta sœur. Aucun problème. Fait. C'est comme si c'était déjà fait. Que ça vient de moi. Très bien. Merci, alors je suis partant. Donc par rapport à cette première option, nous récupérons, après il revient dessus, et puis c'est à ce moment-là où Daniel, toi tu fais ton intervention, vous avez laissé d'ailleurs Marcus pendant un petit moment. Oui, et du coup quand je vous pouvez échanger d'ailleurs entre vous. Hein. Quand j'entends Remington négocier, je sors un peu de mon truc, puisque tu m'as dit que je me sens un peu mieux et tout. Ouais. Et je regarde Marcus et je dis et effacer des lignes sur le CV de quelqu'un, vous pensez que ça peut être possible? Ça peut vous arranger, tu lui donnes après, je pense, en aparté tous les détails possibles. Mm-hmm. Donc, il t'invite dans un bureau annexe. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Vous êtes que tous les deux. Hein. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai dans mon dossier mes études, que l'école et puis l'université m'ont été financées par le gouvernement. Je comprends tout à fait. Très bien. Suite à un certain événement qui est survenu dans ma vie, peut-être que si cet événement ainsi que ce financement pouvaient disparaître, au moins c'est librement que je travaillerai pour le FBI. C'est accordé si vous nous rejoignez et si vous accomplissez votre mission avec nous. De toute façon, je crois que j'ai pas bien le choix. Enfin, à part si je pense que je peux oublier tout ça. Il retourne après. Vous retournez tous les deux dans la salle à manger. Daniel est arrivé au même moment et vous retrouvez tous. Nous lançons donc un mandat à MO Bank, perquisitionne l'endroit. Si on arrive à trouver le sarcophage, je pense pas qu'il doit être dans leur labo, il doit être certainement planqué. Mais en tout cas, si on arrive à le retrouver, il faut qu'on... avec le FBI, donc sous mandat du FBI, il faut qu'on arrive à l'intercepter avant qu'il arrive au FBI, à l'agence. Et ensuite, on s'en va. Il vous montre la carte, d'ailleurs, de la Nouvelle-Orléans, pour que ça soit un peu plus visuel, entre l'emplacement de l'Emo Bank et puis l'aérodrome. Mais vas-y, hein, je te laisse maintenant. Je vais vous mettre en fait cette info. Est-ce que, Remington, tu pourrais pas essayer d'obtenir des laissez-passer, nous faire passer pour des...
Pas un docteur qui travaillerait pour Hemobank essayer de pirater leur système pour m'obtenir une accréditation. Ouais, peut-être voir de l'intérieur où je peux trouver le sarcophage, voir un peu comment les gens évoluent dedans, ce qui se passe. Répète, tu aimerais que je leur demande une accréditation ? Que tu m'obtiennes. Tu peux. Ta spécialité, c'est bien de la surveiller des gens. T'as déjà piraté des systèmes. Ah oui, pardon, excuse-moi, je pensais que tu voulais que je demande ça à nos nouveaux amis. Voilà. Ouais, t'as raison de faire ça. Tout à fait. Excuse-moi, j'étais encore. Je pensais à ma sœur. Ta sœur ? Ouais. Vous m'avez pas dit que ça s'était mal passé avec ta sœur ? Si, mais de ma faute. Et là, si elle peut être libérée, c'est ce que je lui avais promis de faire tout. Quoi. Elle saura juste que c'est pas moi. Moi, au moins, elle sera libre. Elle pensera peut-être pas à moi, mais moi, je serai content d'avoir fait ce que je devais faire. Tu vois. Mais je m'occupe de ton accréditation. Marcus, je vais essayer de rentrer dans Hemobank, me faire passer pour un médecin et essayer d'obtenir des renseignements de l'intérieur, de savoir où le sarcophage pourrait être entreposé. À moins que l'intervention du FBI, la perquisition, nous permette de mettre la main rapidement sur le cercueil. Mais s'ils savent qu'on est intervenu pour ça, sachant jamais en moindre seconde, ils risquent de le déplacer rapidement. Sachant que le problème d'une perquisition, en plus, c'est nous n'arriverons peut-être pas à trouver ce local. Il doit être forcément secret, très bien dissimulé dans ce laboratoire, probablement dans des sous-sols bien masqués. Vous voulez donc vous faire passer pour un scientifique, avoir toutes les accréditations nécessaires et... Je me pose, est-ce que tous les scientifiques ont cette accréditation ? Est-ce qu'il n'y aurait uniquement finalement que Alexander Chessel qui aurait cet accès ? Hamilton, tu peux trouver des renseignements sur Alexander Chessel ? Je vais lancer une recherche. Voir éventuellement... quel niveau il accède et... Je peux trouver ça en faisant un petit jet C'est-à-dire quel niveau il accède par rapport à l'Hemobank, il a quasiment tous les droits, hein, c'est le directeur. Non, dans Hemobank, justement, essayer de voir dans les logs, voir si tu peux trouver des endroits où lui accède et pas les autres. Donc vous allez pouvoir trouver les plans officiels de l'Hemobank. Mais je ne pense on pas. On peut pas pirater le système de lock sur les portes sécurisées. Enfin, tu vois, avec. Permettant d'accéder directement sur. Sur, on va dire, un réseau qui serait doublement protégé. Tu peux toujours essayer. Vas-y. Oui. C'était quoi mon truc? On peut imaginer que tu faisais d'ailleurs ces actions en même temps que Daniel était reparti. Il a pu faire quelques... Ouais. Et je fais ça sous chercher des indices, non, hein, ou filature, ça peut... On va regarder ça. Bref, fais-moi chercher des indices. Encore un peu tôt, tu vois. Alors tu trouves en effet le plan officiel dans les dossiers, dans les bases de données du FBI. Mais en tout cas, tu ne vois absolument aucun endroit qui serait, on va dire, classé confidentiel, isolé, planqué par un accès secret, on pourrait dire. J'explique un peu tout ça à Daniel. Il dit, Daniel, j'ai une mauvaise nouvelle qui peut-être n'en est pas une, en fait. Ben vois-tu, il n'y a rien de vraiment secret dans les plans que j'ai réussi à obtenir. Alors, soit il y a eu des transformations qui ne se sont jamais retrouvées sur les plans, ce qui est possible. Mais, ou alors, c'est dans un endroit...
Tu sais, parfois, la meilleure cachette, c'est d'être visible de tous. On sait où il habite, Chesel. On peut peut-être essayer. Oui, Chesel, vous savez où il habite. Vous connaissez. Il habite pas loin justement des propriétés où il y avait justement le juge Hershey. Très grande résidence coloniale. Et d'ailleurs, la clinique des Mobanks se trouve à proximité dans ce quartier. Donc c'est vraiment au cœur de la Nouvelle-Orléans, au sud de Vieux-Carré. Et quant à l'aéroport, après. Je vous donnerai après la distance exacte, mais ça doit être de l'ordre grand maximum, je pense, 10 km. Je vous le donnerai ultérieurement. On peut peut-être rentrer à plusieurs dans Imobank. On va surveiller Chesel de près. Ouais. Suivre ses mouvements de façon la plus discrète possible. Ok. Vous pouvez tous peut-être me faire un jet d'observer la situation, sauf Remington. Par rapport en tout cas à ce que vous a remonté Remington. Alors celui qui a fait le plus gros score, donc c'est Daniel. Daniel. T'as le droit de me poser une question par rapport à ce qu'il t'a remonté, Silo. Par rapport à... Remington, pardon. Par rapport aux infos qu'il a obtenues sur Imobank. Ouais, sur Imobank, à savoir le... au niveau des plans. Par rapport au plan, d'accord. Bah moi, je vais chercher peut-être dans les plans un endroit qui paraîtrait pas naturel dans le plan. Justement, il y aurait des pièces qui seraient des bureaux qui seraient l'un à côté de l'autre, peut-être avec une structure dans le plan qui serait un peu plus large. Malheureusement, bon, tu regardes très attentivement, mais tu n'es pas architecte, donc tu ne saurais en distinguer. Pour toi, tout paraît normal. En gros, ce serait qu'est-ce qui m'est caché hein, sur le plan. Le plan, rien n'est... En fait, rien ne t'indique ce qui est caché. La personne qui a souhaité cacher quelque chose sur les plans a peut-être fait en sorte de ne pas mettre en évidence. Et de masquer tout simplement une superficie annexe ou un niveau inférieur. Marcus, est-ce que vous avez quelqu'un de spécialisé qui pourrait nous ressortir une information sur ce plan qui pourrait être... Par contre, ce que tu sais, c'est que sur le plan, tu ne verras rien. Par exemple, si sur le plan, il y a, dans la réalité, je ne sais pas, peut-être une porte cachée, ils ne vont pas te mettre en évidence la porte. Ils vont juste mettre un mur. C'est pas ça que je cherche. Moi, c'est vraiment un truc qui est beaucoup plus large, qui serait pas logique pour un architecte en fait. Ouais. En tout cas tout paraît normal et puis tu peux même demander à un de tes contacts architectes qui peut regarder le plan, il va te dire tout ce que je vois sur le plan, il n'y a absolument aucune incohérence. Ok. Ça va te prendre un petit peu de temps hein. Une bonne heure en tout cas pour entrer en contact avec lui, tu partages ses infos, d'ailleurs ses données sont numérisées donc il n'y a aucun problème là-dessus. Ok, donc la pièce elle serait sur le plan, si elle existe elle est sur le plan. C'est pas ce qu'il dit, peut-être que sur le plan on n'a pas voulu mettre en évidence peut-être un niveau inférieur ou une salle annexe. On peut masquer tout ce qu'on veut. Mais d'ailleurs, il te fait un parallèle hein, par rapport aux pharaons. Hein, seuls, à l'époque, les pharaons qui étaient enfermés dans les pyramides, seuls lui et son architecte connaissaient les moindres recoins de cette structure. Ok.
Dans ce cas, moi, je vois pas d'autre chose. Il faudra... Il faudra essayer de le suivre. Mais en tout cas, oui, tu es sûr, hein, suite à ces échanges avec ce consultant, ça ne te permet absolument pas de trouver quelconque indication. Quant à Alexander Chessel, bah vous trouvez son adresse sans difficulté. Tu avais aussi en tête, Daniel, de... Ça serait de faire nous... S'infiltre chez dans son domicile. Soit on s'infile dans son domicile et on lui on fait une copie de sa carte d'accès. Soit on rentre dans la banque et on se fait passer pour des employés. Et on le file à l'intérieur. Il y a combien d'employés dans la banque, on sait ça? Oui, il y a... Il y a un peu plus d'une centaine d'employés. Ah, c'est pas beaucoup, c'est une petite structure. Ouais, ce serait... Il y aurait trois options, finalement. On vous sert, hein, durant toutes ces réflexions... vous mettez les plans d'ailleurs de l'Hémobank en plein milieu de la table. Hein. On a débarrassé les couverts et on vous propose du thé. On propose d'ailleurs, Nola, du thé avec un petit peu de miel. Merci. Et d'ailleurs, vous pouvez regagner tous un point en stabilité. Alors, ton... Et y compris pour toi, Nola, ton instabilité que tu avais en haut à gauche. Modificateur permanent. Donc sur les deux. Ouais. En haut à gauche, la valeur modificateur, modification permanente. Tu peux en mettre à 0. Et puis, tu peux cliquer sur plus. Okay. À côté de la stabilité. D'accord. Je suis encore pas mal secoué. Juste une petite migraine maintenant, mais tu te sens un peu renforcé au niveau énergique. Tu te sens requinqué. Toujours un peu déstabilisé, mais physiquement tu te sens mieux, tu te sens cette fatigue qui s'est dissipée progressivement suite à l'entretien que tu as eu avec Marcus. Bien, bien, bien. Donc, vous souhaitez, vous envisager soit d'aller au domicile d'Alexander Chessel, récupérer des droits d'accès, ou vous infiltrer déguisé en scientifique. Scientifique ou en personnel administratif, c'est possible aussi. Ou les deux, parce que pour faire ça, il faudrait peut-être quand même les droits d'accès. Ou alors, j'ai une idée de génie, Nola, ça avait très bien marché la fois. Est-ce que tu pourrais déclencher l'alarme incendie? C'est pas compliqué. Est-ce qu'ils ont leur service pompier, etc. à eux? Bien, c'est... Alors, ils ont un service de sécurité. Qui fait justement partie de la Greenberg Holding, des anciens prisonniers justement qui sont reconvertis pour assurer la protection de l'ensemble des entreprises sociétés de la Greenberg, à savoir la Pelican Vault. Mais eux, ils n'ont pas de...
En cas d'incendie assez fort, c'est pas surprenant que quelqu'un appelle les pompiers. Et en toute logique, on devrait appeler les pompiers. Normalement, il n'y a pas de société privée hein, pour assurer cette protection contre les incendies. Et si on se faisait passer pour un pompier ? Il y a ça, ou alors on se débrouille pour... Est-ce qu'ils font intervenir des intérims en cas d'absence de leur personnel ? Ils ont certainement besoin d'avoir tout le monde, maximum de personnes tous les jours, une petite structure qui s'occupe de ça. Il y a de leurs employés qui sont malades malencontreusement et qui doivent embaucher quelqu'un. On peut peut-être intercepter leurs demandes et leur fournir personnel de remplacement. Et qu'en est-il des accréditations ? De toute façon, il faudra suivre... On n'aura accès qu'aux espaces autorisés, soit au personnel administratif, soit personnel médical, mais des accès très restreints. Sinon, il faudrait obtenir effectivement la copie du badge du docteur Chessel. Est-ce que vous pensez qu'un badge suffirait ? Je sais pas. Peut-être ses empreintes. Peut-être les empreintes. Peut-être l'analyse de la rétine. Il y a plein de possibilités. Comment être sûr ? Je sais pas qui est utilisé. Est-ce que tu pourrais nous obtenir ces informations, Remington ? Essayer. Ce n'est pas... De toute façon, ils ont fait intervenir des entreprises pour ça. Des entreprises de sécurité, des entreprises informatiques. Ils l'ont fait installer. Cela existe. Ça n'a pas été fait en interne. Remington, oui, ce que tu comprends vite, c'est que ces éléments, si... ne figurent sur aucun dossier, aucun plan accessible officiellement. Mmh. Ça, tu en es sûr. Ouais. Sous réserve que cette pièce existe. Un piratage directement sur l'Hemobank. Mm-hmm. Tu le fais, je suppose, depuis ton PC crypté. Oui, tout à fait. Ce que tu veux. Vas-y, je te laisse me faire ton jet de chercher des indices. Alors, je te laisse me poser deux questions. Sachant que tu n'auras... vas-y, je te laisse me poser tes deux questions et puis je te vois un peu ce que je peux te donner. Je vais pas te demander si tu veux du thé ou du café. On a bien du café. Merci. Avec du sucre. Voilà le premier vœu. Ouais, ben justement, déjà me renseigner. Est-ce que je peux identifier quelle sorte de système de sécurité ils ont justement sur les passes ? Parce que ça, je peux trouver l'information. Comme ça, je saurai si on peut en faire une copie, si on met la main sur celui de Chessel. Sur tous les accès au niveau des différentes salles de laboratoire, officielles, entre guillemets, c'est des empreintes digitales. D'accord. Les agents de sécurité ne font pas partie de l'effectif. C'est une société annexe, hein, comme disait la Pelican Vault. Voilà, c'est juste un complément d'information. D'accord. Donc tu ne sais pas combien ils sont. Hein. Ça, c'est une info que tu arrives à trouver facilement. Ouais. Mais ça veut dire que les empreintes digitales sont stockées dans une base de données reliée au système de sécurité qui est forcément. Par une société annexe. Forcément. Alors je pourrais essayer d'introduire nos propres empreintes digitales et fabriquer un pass, même sans devoir... Après, c'est par salle.
que tu ah, peux avoir ça. Des tu peux avoir des accès sur certaines zones et pas d'autres ouais. forcément. Et je peux pirater le système en mettant nos empreintes à nous. Ça, on les a à notre disposition dans nos fichiers. Tu peux toujours ajouter des lignes de code en complément, mais après, il faut. Est-ce que tu vas être sûr ? Parce qu'il doit y avoir certainement une équipe côté responsable opérationnel de sécurité qui gère justement et qui vont surtout voir une infiltration. Détecter les intrusions. Ouais. Mm-hmm. Tu vas pouvoir t'infiltrer et rajouter tes lignes de code, mais par contre, eux, ils vont le repérer. Faire juste avant d'entrer. Ouais. Après, c'est peut-être une question de timing aussi. Ouais. Il y a peut-être moyen de la jouer très juste à ce niveau-là. Quoi. Je prépare le code. Au dernier moment, j'appuie sur les boutons pour le voyer. On rentre et on se dépêche. À condition qu'on sache, qu'on essaye de déterminer au mieux où on pourra aller. Par contre, ce que tu n'arrives pas à voir, c'est la correspondance avec la zone exacte où serait... Ouais. Potentiellement stocker ce tronc maléfique. Oui, on a une idée de la taille du tronc. Moi, ça me dit quelque chose. Enfin, j'ai pu estimer en fonction de ma vision. Oui, t'as pu. T'as pu estimer. Je vais te dire un peu les. Vous avez montré une image d'ailleurs. Ça fait pour toi, ça pourrait. C'était plus grand que toi. En tout cas, visuellement, ça pourrait peut-être faire, je sais pas, 2m50, 3m. De long et un mètre de large. Ah oui, c'est quand même une belle salle en plus. Au niveau du, je parle du tronc. Hein. Ouais. Donc, tu nous vois sortir avec le tronc comme ça. Coucou, c'est nous, on sort, on revient tout de suite. Ça, c'est le deuxième problème justement. C'est comment le ressortir une fois que vous rentrez, comment le récupérer ouais. En fait, rentrer, c'est pas le problème. Ouais. C'est souvent comme ça. Du coup, l'alarme incendie, je suis pas sûr qu'on soit très discret. Pour sortir avec un gros truc pareil au milieu d'une panique et des gens qui courent dans tous les sens. Ou alors, est-ce qu'ils ont déjà eu des... Je peux poser ma deuxième question ? Ou en fait, j'en ai déjà posé trop là. Non, vas-y, parce qu'on a parlé de l'aspect du code, après on a... Ouais. On a développé là-dessus, mais vas-y, tu peux me poser une deuxième question. Est-ce qu'ils ont un service parce qu'ils font quand même des expériences là-bas, il peut y arriver. Il peut arriver qu'il y ait des accidents. Et vu qu'ils sont assez sectaires, je veux dire là-dessus, est-ce que ils ont une morgue? Est-ce qu'ils ont une morgue directement ouais. tu regardes, non, il n'y a pas de morgue. Absolument pas. Non. Par contre, Hamilton, et si on rentrait, on se faisait passer pour des agents de MOBank, ils font bien partir des camions. Des camions chargés avec du sang. Oui. Ce serait en particulier. Oui, mais comment faire entrer le tronc dans le camion, toi ? Moi, je pensais peut-être le faire sortir dans un cercueil, mais il faut que quelqu'un meure, et il faut le chercher. Pour moi, il faisait 3 mètres. Il va chercher un cercueil de 3 mètres. Ah oui. C'est vrai qu'on va pas couper le tronc en deux non plus. Non, non, ne faites surtout pas ça. Non, 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 non. Vous direz à votre perte. Il faut qu'il reste intact, absolument. Ah, ne vous inquiétez pas, monsieur Castor. Hein, quand on fait un brainstorming, c'est comme ça. Il y a des idées qui fusent dans tous les sens, mais on fait la part des choses. Mais ça nous aide à avancer, voyez. Et en tout cas, vous faites très bien passer pour des agents des MOBank, par exemple. Mais voilà, c'est où trouver cette salle. Après, on peut peut-être placer un mouchard sur Chessel. Essayer de le suivre, déjà à distance. Voir les zones qu'il couvre, les parcours. Peut-être l'écouter également, un micro. Vous pourriez faire ça, Remington ? Oui. Parce que oui, ça ne voudrait pas. En revanche, ce que je crains, c'est... Ce que je crains, c'est... Oui, ça va nous faire perdre peut-être un petit peu de temps, mais c'est peut-être le seul moyen. Nous ne pouvons pas arriver comme ça avec des forces armées. Nous sommes en pleine ville, donc
Maintenant, il faut y aller avec, avec une bonne préparation. On a 24 heures. Oui, c'est ça, les 24 heures, c'est un peu short. Hein. Vous placez le micro, mais si il découvre les micros placés, il va se poser des questions. Il y a des petits, tu as des micros qui peuvent, qui sont quasiment invisibles, non, Remington, sur toi. Enfin, pour assurer votre coup. Il faut assurer votre coup. Oui, non, la technologie est là. Il faut juste bien les placer. Pour autant que la personne ne s'en doute pas trop, parce que si elle fait une recherche approfondie, elle finira par le trouver, hein, on est bien d'accord. Parce qu'elle aura, il ne faut pas lui donner l'occasion de se poser des questions. Et comment voulez-vous procéder pour lui placer les micros ? Est-ce que... Ouais, non, on n'en sait rien. Va-t-on faire meilleure solution. Ce serait d'en placer un peut-être. Est-ce que tu peux pas lui faire absorber? Oui, balise, mais un micro, ouais. N'importe quoi. Je suis pas sûr. Moi, j'aurais bien voulu une petite caméra aussi, mais j'anticipais. Or, je veux pas. On peut peut-être remplacer ses lunettes. Je peux avoir la couleur de sa tartine de Nutella qu'il a mangée au matin. Hein. Ben, un micro, s'il l'ingère, il y aura quand même pas mal d'interférences, hein, malgré le... Bien sûr. Qui pourrait ingérer, après le micro, remplacer un de ses boutons de chemise, un de ses. Je sais pas, moi. Je suis l'expert. Peut-être dans la doublure de sa veste. Ouais, ou dans les lunettes, peut-être. Mais il faut y accéder. C'est ça le problème. Le problème n'est pas de le mettre, c'est de pouvoir. Ne pas où le mettre, mais de pouvoir avoir le temps de le mettre sans qu'il s'en rende compte. Et les vêtements, c'est hors de question, parce qu'il suffit qu'il se change. Ou alors, il faut être certain que quand je vais le mettre, il va mettre cette veste-là. Ou alors, il faut que je lui place le micro, alors qu'il porte déjà sa veste. Ou alors, vous l'arrêtez dans la rue, et en bon vieux tour de passe-passe, vous demandez votre chemin. Pendant ce temps-là, moi, je fais mon petit tour, et je place un petit micro. Je pense que ça doit pas être compliqué. Non, mais le problème, c'est d'être sûr qu'il va pas laisser sa veste au vestiaire. Voilà. Maintenant, je peux essayer de le mettre sur la chemise, ça. Mais plus je vais essayer de le mettre sur un endroit, comment je vais dire, adéquat, puis risque de me faire prendre. Hein. Et quelqu'un de fortuné, il fait peut-être intervenir un blanchisseur particulier. On peut peut-être en profiter pour lui poser un micro sur ses chemises, en supposant qu'il va utiliser les bonnes chemises, toujours pareil. Ouais. Ou alors il faut un micro sur toutes ses chemises, je sais pas combien il en a. Je ne peux pas détourner le système de surveillance. Ils doivent avoir des caméras, etc. Leur truc de sécurité. Oui, oui, bien sûr. Et je suppose qu'il y a peut-être certains endroits, ça ne m'étonnerait pas, même si les employés ne sont pas au courant, il y a sûrement certains endroits où il y a peut-être déjà des micros. Ou alors pas de caméra, c'est possible aussi. Je peux vérifier sur le plan. Et ils ne doivent pas indiquer les caméras sur le plan, de toute façon. Non. Mais, tu peux regarder, hein, oui. Dans le système, ça, je pourrais. Je te laisse me refaire un jet du coup. Ouais. Ça sera la troisième question. Avec tous les risques que ça peut comporter en cas d'échec. Alors tu as le droit de poser une question, mais attention. Et ça peut t'exposer au danger. Donc tu peux me poser en effet... la question au niveau des caméras de surveillance, si elles couvrent toutes les zones ou s'il y aurait une zone en particulier qui ne serait pas couverte, tu peux me la poser, mais il peut y avoir justement des complications, un danger pour être exposé. Toi, de voir. Quand même bien poser la question, donc tant pis, hein, je la pose. Très bien. Il y a en effet une zone au moins 2
Plus précisément, alors t'as le plan sous les yeux, hein, t'arrives à définir une zone où t'as une sorte de caméra, mais qui n'est pas activée. D'accord. T'as référencé l'ensemble des caméras, celle-ci n'est pas activée. Dans cette pièce, il y a juste une entrée venant du couloir extérieur. Et tu n'as pas plus de détails, mais en tout cas, la caméra devrait être activée normalement. Bien. Ok. Là, ce que tu vois, justement, c'est que tu arrives à localiser, hein, à tout enregistrer, je suppose, très rapidement. Mais les accès, justement, à toute leur base de données est un accès, justement, interdit. Tu ne peux plus avoir le contrôle sur leur système informatique de surveillance. Probablement qu'ils ont crypté une intrusion extérieure. Oui, on est d'accord, c'est un truc qui vient de se passer, quoi. C'est... Ouais. Ouais. Et donc, tu n'as plus accès à la base de données. Non. Écoutez, j'explique, hein, aux autres, voilà. Il y a une zone dans laquelle il y a de caméras. On interprète comme on veut. Mais je crois qu'ils ont repéré une intrusion. Pour l'instant, je n'ai plus accès. Bon, maintenant, il faudra pénétrer dans l'établissement et puis essayer d'accéder à cette zone. On peut dire qu'on a fait le plus facile et le moins risqué. Bon, en tout cas, Remington, toi, tu es sûr que normalement, ils ne t'ont pas identifié. Hein. Tu as pris toutes les. Tu as sécurisé tes adresses IP. Ouais, et, pas ça, et pas qu'avec un NordVPN. Hein, tu as un sacré truc bien verrouillé, bien masqué. Donc, logiquement, ils ne t'ont pas identifié. Ils ne savent pas d'où l'intrusion est venue parce qu'il leur faut du temps. Hein. Ça ne se fait pas comme ça. Ils vont passer du temps. Peut-être qu'ils vont trouver par la suite. Mais en général, ça va nécessiter vraiment des recherches. De leur côté avec leurs équipes de sécurité informatique. Donc là, après, difficile à définir, hein, peut-être qu'ils vont trouver la source d'où elle provient, peut-être ton PC, mais pas dans l'immédiat en tout cas, ça peut prendre plusieurs heures. Bien. Voilà, des idées maintenant, les gars, comment on agit? Donc si on résume, on a trouvé potentiellement peut-être l'accès. On a trouvé, vous voulez vous faire passer donc pour des scientifiques. Comment on fait après pour récupérer vous le faites passer pour des agents, pour des employés des MoBank. Récupérant ce gros colis. Sans vous faire surprendre par les agents de sécurité. Ce serait l'idéal. Alors, il y a des films où on voit les mecs, ils arrivent carrément à avoir les empreintes, tu sais, avec qu'ils arrivent à mettre comme des petits gants de caoutchouc ou de silicone sur le bout de leurs doigts et puis de faire semblant que c'est eux avec la bonne empreinte. On sait pas faire ça, nous? Tu regarderais Minton, Marcus, oui, bien sûr. Sachant qu'on pourrait récupérer un verre, nous, là. On suit Alexander Chessel, il va certainement fréquenter des bars, des restaurants, pour essayer d'intercepter ces verres. Oui, ou... C'est pas mal. Et en faisant un recoupement avec leurs empreintes, dans des endroits différents, on pourrait déterminer lesquelles sont les siennes. On peut faire ça. Il fréquente toujours le. Il fréquentait quel club déjà? Ah, l'Apollonius Club. Ouais. Le gérant d'ailleurs fait partie du Cajun Club. Donc, on va pas faire le cours de Apollonius, il doit avoir quantité d'empreintes là, pour trouver la bonne. Oui, mais sur ses couverts, il transporte bien quelque chose. Bien tout simple, s'il conduit
Par exemple, il prend sa voiture, il va, je sais pas où, on relève les empreintes sur la portière. Il a sa voiture personnelle ou il a un chauffeur? J'aurais tendance à dire, Marcus prend la parole, j'aurais tendance à dire, peu importe. Vous le filez, vous l'observez à sa sortie, soit de son bureau, soit de sa demeure. On met deux équipes en place, et puis dès que vous repérez le véhicule qu'il emprunte, après, une fois qu'il est déposé, trouvez le bon moment pour prélever ces éléments. Vous pouvez vous faire, je sais pas, peut-être passer pour des employés, des agents d'entretien, ou... Oui, on peut même, à la Polonius, on peut peut-être rentrer comme serveur, quoi qu'ils soient des jeunes. Des témoins de Jéhovah, justement, et pendant que vous faites diversion, peut-être l'un d'entre vous pourrait récupérer très rapidement ses empreintes. Ça me paraît assez faisable. Oui, mais il faut attendre ce soir, alors. Oui, ça, malheureusement, on ne sait pas à partir de quel moment il va sortir. Et comment vous allez récupérer ensuite... ce sarcophage, vous pensez que faire passer pour des scientifiques ou des agents, des employés, sous réserve que les employés ont l'autorisation, je ne sais même pas si les employés, l'ensemble des employés sont au courant de cet élément, de cet objet lugubre. Si ça se trouve, il n'y a que Alexander Chesel qui connaît cet accès. Raison de plus pour avoir son empreinte à lui, enfin ses empreintes à lui. Et ça, la question que je me pose, ça va peut-être leur sembler bizarre de voir sortir ce sarcophage dans les locaux. Après, on peut peut-être envoyer un gaz quelconque dans les bâtiments. Il y a des scientifiques qui vont vous poser des questions. Il faut anticiper cela aussi. Non, mais on peut envoyer un gaz qui provoque des nausées. Ou des effets très désagréables. Et certains peuvent pas. On peut prétendre que quelqu'un a eu un malaise et que nous l'emmenons pour nous appeler. Et nous pourrons faire passer avec une couverture dessus, transporter le sarcophage et le faire sortir via un camion de Bobanque. Vous voulez envoyer du gaz dans une zone en particulier ou partout ? Peut-être dans une zone particulière, en tout cas les zones qui sont surveillées. Mais il y a peut-être un moyen plus simple, il faut que je réfléchisse encore. Je pense que toutes les zones sont surveillées. La méthode radicale serait d'asperger toute la zone de ce gaz et puis ensuite vous infiltrer avec des masques à gaz au moment justement où vous vous apprêtez à ressortir. Ça fait combien la superficie? Parce que si on doit gazer cette zone, enfin envoyer un gaz soporifique ou un gaz qui provoque des troubles. Est-ce qu'il y a plusieurs sorties? Là, c'est au moins deux. Est-ce qu'il y a une sortie au moins deux, par exemple, tu sais Non, sur les... Alors, sur les plans, oui, tu... n'y a pas de sortie, en tout cas. Alors, tu as plusieurs sorties, oui. Mais pas directement vers l'extérieur. Hein. Il faut repasser par les différents niveaux. Tu as différentes montes charges. Ou des escaliers de secours. Donc oui, tu as plusieurs accès. Tu en as trois, systématiquement. Un monte-charge, un escalier de secours et puis un ascenseur classique pour les employés. Et plutôt qu'un gaz vomitif, pourquoi pas simplement un narcoleptique ? Daniel, qu'est-ce que vous en pensez ? Un narcoleptique ? Le problème, c'est que les nausées, ça, si on endort tout le monde... Et je pense qu'ils doivent de toute façon être équipés de dispositifs si le gaz commence à se répandre. Ils doivent avoir des capteurs, justement. S'ils font des expériences, ils doivent avoir un système, justement, en cas d'évacuation. Je crains que ce gaz ou ces narco-éptiques seraient détectés. D'accord, donc un gaz vomitif aussi.
faudra qu'il se diffuse très rapidement. Ne pas laisser le temps, je pense que certains vont prendre des précautions très à temps, mais il faudrait vraiment un gaz qui se diffuse quasiment immédiatement. Certains gaz sont inodores, ils ne s'en rendront pas compte immédiatement, ils sont très rapides. Et je veux dire que Greenberg après saura ce que nous avons fait. Ils vont tout de suite aller voir si l'arbre est toujours là. Et vont voir sa disparition. Ils le verront, mais c'est pour ça qu'on essaiera de s'évacuer à temps. L'avion nous attend, de toute façon. Il est prêt. C'est un aérodrome, donc... J'ai tous les laissés passer, justement, pour emporter le colis avec nous et nous barrer de là. On pourrait diffuser le gaz par la ventilation, peut-être à partir du niveau moins 2, du sarcophage, là où justement ce n'est pas surveillé, la caméra ne joue pas son rôle. Ouais. On peut se faire passer pour du personnel d'entretien. Mm-hmm. Ce sera plus discret que les gens du câble. Que des gens du câble, exactement. Et surtout des médecins. Puisqu'ils doivent tous se connaître. Médecins, ouais. Tandis que le personnel de l'entretien, il peut changer régulièrement. Ça, je peux retrouver hein, quelle est la... Ah oui. Quelle est la société d'entretien. Comme ça, on peut peut-être se procurer l'uniforme. Et même peut-être... Ah oui, voilà, si c'est une société externe, effectivement, ça change sans problème. Mais sinon, j'allais dire, bon, maintenant, t'as été repéré, mais ça aurait été intéressant de voir s'il y avait une rotation de certains employés pour savoir par quoi on pouvait, ou visiteurs, pour savoir pour qui on pouvait se faire passer. Ouais. Ouais, l'avantage du personnel d'entretien, c'est qu'il va être là les heures où il y a moins de personnel, donc le soir. Oui, ça c'est vrai. Et si on réfléchit au niveau scientifique, il ne pourrait pas recevoir la visite d'un éminent scientifique ou je ne sais pas quoi. T'as pas ça dans tes corps, toi, Daniel pas forcément toi, hein, mais ça pourrait pas jouer à ce niveau-là, quoi. Avoir un rendez-vous avec quelqu'un sur place. Et puis une fois infiltré, personne s'arrange pour détourner l'attention ou pour nous faire passer ou pour quelque chose. Ça paraîtra bizarre, Chesel est le directeur et ce sera lui qui reçoit la personne. Il sera surpris si un éminent scientifique arrive, surtout dans sa clinique. Ouais. Je pense que le personnel d'entretien sera très bien. En plus, on pourra facilement, si on a besoin d'utiliser le gaz, on pourra facilement le dissimuler dans notre équipement d'entretien. Pour transporter le cercueil, après, je pense que vous allez trouver des chariots, sans difficulté. Ouais, mais il fait quand même 3 mètres, c'est ça, tu as dit hein. Même un chariot d'entretien, ça va dépasser. Hein. Il faudra le charger dans le camion, de toute façon. Tu vois qu'au niveau de la largeur des portes, vous allez pouvoir déplacer ce chariot. Bon, tu prends ton compas, tu regardes. Mais par contre, ce sera uniquement, bien évidemment, au mont de charge. Et ensuite, une fois au rez-de-chaussée, vous pouvez voir, en effet, il y a un parking pour le personnel, justement, pour livrer des cargaisons, qui se situe à l'arrière du bâtiment. Où il y a des camions réfrigérés qui peuvent y accéder et transporter tout le plasma, dont les convois d'Hémobank. Des fourgonnettes, des camions avec leur logo dessus. Il faudrait savoir quelle société vient
se ça, placer... vous pouvez le trouver facilement, hein, la société d'entretien. Non, mais je veux dire, pour les camions réfrigérés. Ouais. On va trouver ce qu'ils se font livrer, à part le plasma qu'ils transmettent. Hein. Ouais. Diffusent, mais ils reçoivent peut-être autre chose, d'autres sociétés qui viennent chercher des marchandises. Ils ont clients. Ouais, des produits pharmaceutiques, entre autres, ça c'est l'information que tu arrives à avoir. Donc il faudra que quelqu'un se positionne dans le camion et attende. Je peux faire ça, moi, si tu veux. Il faudra un uniforme, donc, aussi. Bon, dans un surplus, ça peut se trouver. Si on arrive à avoir des photos du service de garde des moments. Donc, il nous faudra certainement aussi dire un laissez-passer. Enfin, des papiers, de quoi justifier qu'on fait bien partie d'un labo spécifique. Donc vous voulez jouer en tout cas sur les deux tableaux, équipe d'entretien et puis équipe laboratoire spécifique pharmaceutique, on va dire. Oui, enfin ceux qui conduisent les camions. Mmh. Comme ça, ça va nous permettre de charger en même temps. Ouais. Certainement aussi des uniformes qu'on pourra de cette société qu'on pourra cacher dans nos chariots d'entretien et au moment d'évacuer le sarcophage, on va changer d'uniforme et on se fera passer pour des agents de la société pharmaceutique. Ouais. Est-ce que... Non. C'est valeur à dire, mais on aurait quand même bien eu besoin de Denis Clark sur ce coup-ci. Hein. Pourquoi ? Tu veux une chemise hawaïenne ? Non, pour l'influencer, pour faire oublier aux gens ce qu'ils ont vu. Ouais, ça aurait été bien. Ouais, le problème, c'est qu'il nous aurait fait oublier à nous. Ouais. Mais comment est-ce qu'il a eu ce truc ? Marcus, vous avez été témoin d'autres pouvoirs étranges que celui de Denis Clark ? J'avais senti, en effet, j'ai rencontré une fois le juge Hershey. Qui avait des pouvoirs assez similaires quant à savoir paralyser les gens comme Denis Clark. Enfin, c'était pas comme une paralysie, mais c'est comme si que je sais pas, j'ai eu une absence. Ouais. C'était lors d'une audience et d'autres personnes au sein de l'organisation. Laissez-moi réfléchir. Non, je ne suis pas rentré en contact avec Chessel ou quiconque. Contrairement à vous. Ouais. Non, mais je veux dire, dans EOS. Ah, dans EOS. Au sein d'EOS, personne n'a des facultés, on va dire, qui, pour une mission sensible, pourrait. Tu peux lire une personne quand tu. Observe justement Marcus. Alors, tu as fait combien ? J'ai pas vu le. 5. 5, ouais. Un très beau, magnifique. 5. Qu'est-ce que vous entendez ? Vous sous-entendez que je dispose aussi des pouvoirs similaires à ces individus ou que d'autres personnes au sein des Hauts auraient ces facultés ? Non, pas les facultés avec la même. Nous sommes des gens fiables. La même origine. Mais je veux dire, mais vous croyez au paranormal. Donc parfois, il y a des gens qui le sentent, donc ils sont capables de certaines choses, même si l'origine n'est pas la même, voyez-vous. Ce que je me disais. Regardez les pouvoirs de Manon, elle est quand même de votre côté. En tout cas, il le prend un peu mal et... soyons plus sérieux. Retournons donc, si j'ai bien compris. Certains d'entre vous, peut-être vous tous, vous faites passer pour des agents d'entretien
qui accédait dans cette, au niveau moins 2 pour, à partir d'un accès directement des peut-être des empreintes faites par silicone à cet espace très réservé confidentiel, sous réserve, okay. Sous réserve que le cercueil est présent, vous le récupérez, vous sortez le gaz qui va anesthésier ou endormir l'ensemble du personnel, en tout cas dans les zones où vous allez exporter ce sarcophage, directement dans les camions d'une société pharmaceutique. On va agir de nuit si possible, comme ça il y aura moins de personnes dans le bâtiment. Oui. Et j'ai encore une question, mais il faut qu'on sache ce qu'on va faire. Si jamais le sarcophage n'est pas dans cette pièce, est-ce qu'on se paie le luxe d'explorer un peu ou est-ce qu'on s'en va directement ? Je vous conseille de ne pas perdre de temps et de partir le plus rapidement possible. On n'est pas là pour faire du tourisme. Une visite éducative. On s'est donné la peine d'entrer pour ressortir parce qu'on n'était pas au bon endroit, ce serait un peu dommage. Oui, c'est pour ça. À peu près sûr que ça peut, vu que la caméra a été désactivée, sûrement à dessein, c'est pas un accident. Donc, forte chance que ce soit là, quoi, mais c'est toujours pour prévoir la petite chose qui pourrait arriver. Ouais. Et puis, est-ce qu'il y a aussi des génies de l'informatique pour. Par exemple, repasser en boucle une bande de caméra sur laquelle on n'est pas à la place. Très bonne idée. C'est moi ça. Mais je. Il faut l'anticiper aussi, Remington. Tu vois qu'il est, il devient un peu agressif vis-à-vis de toi depuis que tu avais essayé un petit peu de percer peut-être de sombres secrets que possède Marcus. Bien évidemment, Marcus, je compte sur vous pour désactiver toute surveillance sur notre itinéraire. Okay. Une fois le moment voulu. Ça veut dire que vous venez avec nous ? Non, je resterai bien évidemment à distance. Je dois piloter l'opération. Je ferai en sorte, en tout cas, de vous attendre à l'aéroport. Et les hommes, justement, avec quelques hommes des Sœurs de Marie. Donc il va falloir accéder au boîtier de contrôle des caméras. Si on veut diffuser en boucle. Des fausses informations. Maintenant, pour l'instant, je peux rien faire. Je suis exclu du système, mais une fois qu'on sera à l'intérieur... Il faudra arriver sur le réseau local. Et là, vous pourrez y accéder, comme vous le savez. Est-ce que vous voulez ajouter d'autres choses par rapport à cette opération ? Pour moi, ça me paraît envisageable. De toute façon, c'est une des possibilités, en espérant qu'elle puisse fonctionner. Oh, de toute manière, je pense qu'on va encore... réfléchir et peaufiner tout ça, le temps déjà d'arriver à obtenir les empreintes d'Alexander et de les reproduire. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais Alexander, il a la tête de quelqu'un qui doit avoir de belles voitures de sport, il aime conduire, je suis sûr. Ça sera facile de récupérer ses empreintes. Tu peux me faire, du coup, on va faire une ellipse hein, là-dessus, parce qu'il va faire en sorte... Remington, tu peux me faire un jet de filature. Ouais. Voir un peu ce que ça va... donner. Oh là là. Il a une voiture qui va trop vite. Elle est rouge. En pire, on a suivi la mauvaise. Tu... en fait, tu ne... Tu as attendu le bon moment et puis malheureusement, le véhicule a pendant plusieurs heures en fin de journée est ressorti pour aller à son domicile. Il y a un chauffeur. Il est rentré dans sa propriété, qui est parfaitement surveillée par les mêmes agents de sécurité d'ailleurs de l'Hémobank. Et tu constates que ça va être très difficile pour toi de rentrer en infiltration sans t'exposer au danger. Oui. On les a pas déjà, ces empreintes, dans un fichier quelconque ? Parce qu'on a quand même enquêté sur lui et peut-être qu'il avait déjà été je témoin crois, dans, je crois pas dans que vous des aviez affaires en... policières ou des choses comme ça. On n'a pas enquêté sur lui. Ah, mince. Non, jamais. Hein. Vous n'avez jamais focalisé sur lui. Hein. Ah, zut. Bien, il va falloir patienter encore un peu, qu'il sorte, qu'il aille dans un bar et puis peut-être... Pendant ce temps, on peaufinera le plan.
On est plus que nous quatre ou Marcus est avec nous? Marcus est toujours avec vous. Tu vas revenir un peu plus tard, justement. Vous n'êtes plus à l'agence du FBI, hein, vous êtes toujours chez Manon. Du coup, c'est un échec, en tout cas, pour récupérer ses empreintes. Directement à son domicile. Ou alors, tu vas prendre un très grand risque, quitte à te faire repérer. À toi de juger, tu es devant sa propriété, peut-être avec vous autres. À toi de me dire si tu tentes le coup de t'infiltrer et directement sa propriété pour récupérer le véhicule, enfin t'approcher et récupérer des empreintes, peut-être sur une poignée de porte, quelque chose, mais tu vois tout autour, il y a également des caméras de surveillance. Ouais. Oh. Oh, c'est grave. Écoute, c'est... non, ce serait trop risqué. Je vais pas le faire maintenant. Je vais voir si en dernier recours, je le ferai, mais je pense qu'il y a encore une petite possibilité de... Nous avons perdu beaucoup de temps, malheureusement, Remington. Je crains que... Il faut absolument qu'on le retrouve à l'Emo Bank et puis que nous le prenions en otage, dans ces cas-là. Cool. Mais le prendre en otage... Elle est grande, sa résidence, elle est assez grande. Oh, équivalente à celle au niveau superficie, c'est dans le même style, un petit peu avec des colonnes de marbre à l'entrée. On dirait un temple romain d'ailleurs. Ok. Combien d'étages ? Il y a 2 étages, dont en complément du rez-de-chaussée. Et je peux peut-être pirater ses caméras parce que lui, il n'est plus à l'entreprise là. Je crois que ça va être beaucoup trop risqué. Il faut vraiment se focaliser sur les mots banques en espérant que nous arrivons à l'intercepter. Mais c'est très délicat. Ou alors, il y a forcément un bureau à les mots banques d'Alexander Chessel. Peut-être que l'un d'entre vous peut se faire passer pour, en effet, quelqu'un qui souhaiterait écrire un article sur lui. Et prélever des empreintes dans son bureau. Faisons plus simple dans ces cas-là. Bonne idée, Marcus. Et forcément, il sera à son bureau demain matin. Ou alors, si vous souhaitez y aller cette nuit, vous pouvez récupérer ces empreintes. Mais le problème, c'est que on ne pourra pas mettre en place ce dispositif, justement, pour... les utiliser quoi, pour passer et appliquer ces empreintes digitales. Non, maintenant, il faut le... Une petite suggestion quand même, une petite remarque, c'est qu'il faut peut-être ces empreintes pour aller dans son propre bureau. Soit vous arrivez à l'intercepter, vous le neutralisez, comme vous le souhaitez, et vous récupérez ses doigts. Me faire passer pour quelqu'un auprès de lui, le rencontrer peut-être... dans un lieu type un hôtel, une salle d'hôtel ou autre pour l'interviewer. Mais le problème, c'est les délais, parce que je ne suis pas sûr que d'ici le lendemain, ce soit quelque chose de possible. Mais si jamais ça l'était, je pourrais être le journaliste je pourrais prendre l'apparence d'un journaliste. Quoi. Faut faire attention, il était avec les autres dans la cave. Il a peut-être aussi un petit pouvoir. Ah, peut-être, après, j'ai de quoi faire. Je pense qu'il faut éviter toute interaction avec lui. Il doit être pro. Une fois qu'il serait là, ce serait l'occasion éventuellement de le séquestrer. Il utilise son pouvoir, il n'aura qu'un mal à sortir. Sous réserve qu'il accepte votre invitation. Ouais. Et qu'il sorte de chez lui. Pour l'instant, après vos retours, Remington, il est placé chez lui, installé. Rien ne nous dit qu'il va ressortir. Ou alors se faire passer pour aller chez lui et en se faisant passer pour quelqu'un dont il aurait besoin, un réfléchir qui, quoi. Remington, est-ce que tu peux déterminer l'endroit où se trouve sa chambre dans sa résidence? On peut la déterminer. Quelqu'un escalade à sa fenêtre à l'aide d'outils appropriés. On diffuse du gaz dans sa chambre, il reste endormi, on pénètre, on fait un relevé d'empreintes, on sort.
Bon, sachez que j'ai quelques talents de grimage, si jamais. Oui, mais j'allais dire que tout ça, ça me paraît beaucoup plus risqué et susceptible d'éveiller son attention que l'idée de Marcus. Même si ton plan est bien rodé, hein, mais il va se rendre compte qu'il a été... Il se rendra compte de rien. Qu'il a été gazé, non ? Non, il va s'endormir, il va peut-être se réveiller avec une petite migraine, mais... Faire deux infiltrations, malheureusement, je ne pense que nous n'aurons pas le temps. Et c'est trop risqué. Si il détecte quoi que ce soit, il sait ce qui va se produire. Il va rester sur la défensive et... Alors il faudra lui faire signer quelque chose ou qu'il touche un objet quelconque au moment de l'entretien avec... Oui. Avec Silo. Déguise en employé de la poste, fait un petit recommandé. Ah oui. Ça va être son employé qui va venir le chercher. Sauf si c'est lui qui doit signer personnellement le pli. Et après, une fois qu'on récupère ses empreintes, il faut faire justement le dispositif. On va préparer les deux choses. Pour reproduire des pellicules sur vos doigts qu'on appliquerait pour simuler ses empreintes. Ouais. Ça va prendre un peu de temps. Remington, c'est possible de transférer les empreintes directement d'ici jusqu'à un autre ordinateur proche des mots banques et de synthétiser les gélatines avec les empreintes. Il faudra passer par le réseau des mots banques. Si vous procédez ainsi, si vous voulez le faire en simultané. Je repasse à la maison pour prendre mes gants de vaisselle. Non, non, je rigole, on a ça dans la voiture. Là. On fait ça ? On y va ? Moi, pour l'instant, je ne suis pas aux premières lignes, donc ça... Donc, Remington, toi, tu veux... Donc, si tu me récapitules, tu veux directement... passer pour... Vas-y, dis-moi. Il aurait reçu un colis, tu vois, de je ne sais pas quelle société, puis il faut signer le bon de réception. Mmh, d'accord. Donc, tu vas t'infiltrer chez lui directement ? Enfin, tu vas te présenter plutôt, te présenter. Oui, voilà. Tu vas te présenter chez lui. Ouais. Bah on est encore en fin d'après-midi. Hein. Il est 17h, donc tu peux t'y rendre. Je mets pas les mêmes. Enfin, je m'habille pas de la même manière. Tu préfères pas que ce soit Silo qui. Silo, tu disais que tu avais quelques talents en grimage. C'est exact. Ah, oui, si tu te sens d'attaque, ça est là, alors je veux bien. Ah ben je avec plaisir, si je peux être utile. Et donc, tu peux faire ton jet de caméléon, Silo. Exact. Oh là là. Voilà, magnifique. Il se reconnaît pas lui-même. Tu vois justement, tu arrives vers 18h avec ton colis, tu vois un majordome très bien habillé justement, costard, mais plutôt très britannique. Il arrive justement, il fait signe au portail, enfin tu te présentes hein, parfaitement comme un livreur de colis. Employé de la poste ou un chronoposte. Et puis, après un échange à l'interphone, il te laisse entrer. Tu arrives à l'entrée, justement, sous le porche, où il y a ces colonnes imposantes, comme un temple d'un dieu ancien. Il y a cette porte en bois qui est ouverte, et tu vois qu'à l'intérieur, un grand escalier majestueux. Et tu peux apercevoir les Sanders Chessel descendre en peignoir avec des yeux très bleus, très perçants. Oui, que se passe-t-il, Watroff? Monsieur Chessel, oui, c'est un colis de cette société, justement. Je n'attendais absolument pas aucun colis. Je vais devoir vous représenter qui, monsieur ? UPS. C'est un colis qui m'a été donné par, je ne sais pas,
Peut-être qu'il a voulu être discret. Moi, je ne suis que le livreur. Hein. Oh, écoutez, mettez ça sur le côté, Wadroff. Où dois-je signer? Écoutez, j'aimerais avoir une signature ici, ici et ici. Et celle-ci en noir, s'il vous plaît. Très bien. Mon stylo, s'il vous plaît, Wadroff. Oui, très bien, monsieur. Il apporte un Mont-Blanc et il écrit à ce moment-là, tel endroit. Et puis, le papier risque de s'envoler. Il pose son doigt, justement, et il continue à deux autres, justement, copies. Voilà. Faites-moi couler mon bain, s'il vous plaît. Oui, monsieur, très bien. Ces agents de sécurité vont vous raccompagner. Oui. Eh bien, écoutez, merci, monsieur. Bonne journée à vous. Il ne te répond pas. Ah oui, voilà. Merci, monsieur. Et tu vas revenir, donc on va faire une ellipse. Hein. Tu vas revenir directement chez Manon. Ça te fait quand même une bonne heure de route. Pendant toute la soirée, les équipes de Marcus... quelques éléments de Marcus vont pouvoir s'atteler à la tâche. Et ce sont des employés, justement, également des OSS, hein, pas du FBI, qui travaillent dans un laboratoire technique au sous-sol du domicile de Manon. Ils vont vous procurer ces films que vous pourrez appliquer sur vos doigts. Et puis... vous souhaitez intervenir cette nuit ? Directement ? Le plus tôt possible ? Rien. Très bien. Eh ben, on s'occupera de ça. On fera cette mission la prochaine fois.